Jésus-Christ, oui, il est l'Ancien des âges, des âges. L'Alpha, l'Oméga, il est le lion de la tribu de Juda. Il est Jésus-Christ, oui, il est l'Ancien des âges. Il est l'Alpha, l'Oméga, il est le lion Judas. Il est Jésus-Christ. Mon rêve est d'aller au ciel, résider avec l'Éternel. Mon rêve est la nouvelle Jérusalem, pour y régner avec mon Père. Il s'appelle Jésus. Let's go.
Yeah.
ton esprit à Jésus-Christ. Le réveil à Dieu. 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 Alléluia. Toutes les nations sont en train de ton esprit à Jésus-Christ. La trompette retentissante, la trompette de la repentance. La trompette retentissante, la trompette retentissante, la trompette de la sainteté. À la fin de l'assemblée, pour l'avènement de Jésus, les élus choisis pour le ciel. La trompette de la sainte doctrine, la trompette retentissante, la trompette retentissante, la trompette de la repentance, la trompette retentissante, la trompette retentissante, la trompette de la sainteté, afin de rassembler pour l'avènement de Jésus, les élus sauvés pour le ciel. Après moi, amen. Amen. Poussez vers les têtes.
Poussez vers l'Éternel des cris de joie. 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 Vous tous habitants de la terre. Vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Et lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Et le troupeau de son pâturage. Et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Et sa fidélité de génération en génération. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons célébrer encore notre Dieu. Quand on dit pousser vers l'Éternel des cris de joie, nous allons pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. De ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On continue dans cette langue. Allez, on y va. Amen. Alléluia. Amen. Les murs de Jéricho sont tombés. Amen. Les murs de Jéricho sont tombés. Les enfants d'Israël criaient à leur Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho
À venir. Amen. Au ciel, il y aura encore 2000 fois plus de joie. Amen. Et les papas vont danser. Et les enfants vont danser. Amen. Et tout le monde va danser comme des gamins. Amen. Amen. Bien aimé, ce que nous faisons n'est rien par rapport à ce qui va arriver. Amen. Et dans ton cœur, ça fait dans ton... Amen. Amen. Remercions notre Dieu. Parce qu'il nous permet d'être là aujourd'hui. Amen. 6 jours nous avons travaillé et nous nous sommes retrouvés ici au 7e jour. Amen. Nous remercions Dieu, bénissons son nom pour nos vies, la vie de chaque membre de nos familles, la vie de ton frère et de ta soeur qui est à côté de toi. Prions au nom de Jésus. Amen. Merci. Éternel notre Dieu, notre Créateur. Merci Seigneur Jésus, parce que tu mets dans nos cœurs plus de joie que je ne trouvais dans le monde. Merci parce qu'aujourd'hui encore, par ta grâce, avec les frères et sœurs, nous te célébrons, nous te louons, nous te glorifions. Nous sommes au rendez-vous pour louer le Seigneur. Nous te disons merci, toi qui es le Dieu des vivants, toi qui n'es pas un Dieu des morts, toi qui es là. Oui, Seigneur, tu es présent et tu nous appelles à venir et à célébrer ton grand nom, parce que c'est à ça que nous sommes appelés. C'est ça la joie qui nous attend. Louer et adorer. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous as gardés, tu nous as conservés, tu nous as animés, tu nous as gouvernés, tu nous as conduits tout au long de cette semaine. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour cet honneur. Merci pour ce privilège. Merci pour ma vie, la vie de ma femme, de mes enfants, la vie de mes frères et sœurs en Christ, la vie de chaque membre de ma famille. Oh Seigneur Jésus, comment ne pas te remercier? Nous dansons à ton honneur. Nous prions à ton honneur. Toute cette gloire, Seigneur Jésus, c'est à toi seul. Car tu es infiniment digne. Tu es infiniment digne de remerciement. Toi qui es à l'origine de la vie. Toi qui es le secret de la vie. Toi qui es la vie et qui donne la vie. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci. Merci de nous avoir appelés aussi au salut. Merci de nous avoir appelés au réveil. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ton nom est bon. Ton nom est beau. Ton nom est puissant. Ton nom est glorieux. Ton nom fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous n'allons pas continuer sans prendre autorité sur ce lieu. Amen. Amen. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, nous te remettons ce lieu. Nous te prions, Seigneur, par ton bras puissant d'ordonner que tes anges arrivent et que tout esprit qui n'est pas soumis à l'autorité de Jésus qui soit chassé maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit qui résiste soit lié, ligoté et jeté dans les abîmes au nom de Jésus. Bien-aimés, prends autorité en tant qu'enfant de Dieu. Car le Seigneur a dit qu'il nous donne l'autorité sur toute la puissance du monde des ténèbres. Prions et prenons possession de ce lieu. Et que ce soit le Saint-Esprit qui règne. Prions au nom de Jésus. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, nous te disons, nous venons maintenant, Seigneur, prier pour ce lieu. Ce lieu où nous faisons le culte. Seigneur, tu connais ce que nous ne connaissons pas. Tu es au courant de tout ce qui se passe ici, de jour comme de nuit. Oh, nous sommes enfants de Dieu. Venons, nous prions, Seigneur, de prendre le contrôle de cet endroit. Par ton sang puissant et abondant, que tes anges viennent de s'agiter et chaque esprit qui ne connaît pas. Au nom de Jésus, que tes esprits qui nous envoient le Seigneur.
nous avons prié, 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 l'âme et le corps maintenant à l'obéissance, que nous serons tous dans la présence du Seigneur, qu'il n'y ait pas de voyage de la pensée, qu'il n'y ait pas de sommeil, qu'il n'y ait rien qui nous distrait. Les choses de la famille sont restées dehors. Prions pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous venons, Seigneur, de prier que ton Saint-Esprit vienne dans ce lieu maintenant. Saint-Esprit, pour que nous fassions tout selon l'Esprit. Il est parmi nous.
Chacun de nous, j'espère que nous avons passé une bonne semaine. Amen. Amen. Je vois parmi nous les personnes qui avaient mal au dos dimanche dernier qui sont là. Amen, amen. On peut lever la main. Gloire à Jésus. Alléluia. On a fait comme ça. Est-ce que ça va déjà? Le voilà. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On a prié pour la maman. Est-ce que le dos va mieux? Très, très, très. Alléluia. Jésus. Jésus. Amen, amen. Nous aurons encore d'autres témoignages. Parce que quand on prie pour des situations et que notre Dieu réponde, il faut également qu'on vienne aussi dire que ce pourquoi on a prié, le Seigneur a répondu. Amen. Amen. Il faut vraiment, je savais que si j'allais demander, maman aurait parlé. Mais j'ai anticipé. Amen. Amen. On voit le beau sourire de la maman. Vraiment radieux, c'est contagieux. Que le Seigneur soit béni. Sortez du milieu de mon peuple. Amen. Comment est-ce qu'on sort du milieu du monde, le peuple de Dieu? Est-ce que le peuple de Dieu va quitter? Aller acheter une parcelle de terre. Il y en a qui font ça. Ils vont acheter une parcelle de terre. Loin, 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 et ils disent que non, on n'est plus avec eux. Je crois qu'il y a une église, je ne vais pas citer leur nom. Ils ont acheté une bande de terre quelque part aux États-Unis et ils vivent là-bas. Ils font tout entre eux, ils font tout entre eux. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni si Amen. Le Seigneur approuve. Mais nous, nous allons nous distinguer du monde à partir de d'un comportement, d'une façon de faire, d'une façon de parler, d'une façon de penser, d'une façon de nous habiller, d'une façon de manger, d'une façon de danser. Tout ce que nous faisons doit être différent. Par rapport au monde. Mais par rapport à nous-mêmes, nous devons être ressemblants. Amen. Amen. Et pour quand on voit le frère Jean-Baptiste au Bénin, et quand on voit l'évangéliste Samuel à Douala, quand on dit qu'ils font la même chose, ils ont le même père ou la même mère. Amen. Parce qu'ils ont la même façon de penser, la même façon de ressentir les choses, de manger et de tout faire. Amen. Amen. C'est pour ça aussi que dans la maison du Seigneur, quand un étranger entre ici, à la vérité, quand on vous voit là, vous êtes comme les filles d'une même mère. Amen. Amen. Quand on nous voit comme les enfants d'un même père. Amen. Amen. Parce que nous obéissons à certaines règles, à certaines façons de faire. Amen. C'est pour ça que nous aussi, tous les dimanches, ou bien quand on se réunit, nous avons nos règles de sainteté que nous devons répéter. Amen. Amen. Le retard est proscrit. Le retard et l'absence sont proscrits. Tu es absent quand vraiment tu n'as pas pu être là. Quand vraiment toi-même, tu as une situation à laquelle nous tous savons que Noël n'a pas pu être là. Amen. Amen. Mais tu dois venir au culte solennel pour adorer, pour louer avec tes frères. N'est-ce pas? Amen. Sont présents dans les assemblées. Amen. Amen. Et il faut être là à 15h30 pour le roi. 15h30, pas de retard, pas d'absence. Amen. Amen. Nous ici, on se retrouve à 15h30. Amen. Amen. Et nous devons être dans la discipline. Tout au long du culte, nous devons vraiment être disciplinés. Donc, on dit toujours, on va toujours le répéter, même si nous allons faire 1000 cultes avant que Jésus ne revienne, nous allons le dire 1000 fois. Amen. Pas de faux cheveux. Pas de faux cheveux. Il y a les papas qui mettent des faux cheveux. Je connaissais un papa au Cameroun.
Peter en plus serviteur dans une église, un jésuite, un grand. Mais il avait un chapeau là. C'était les faux cheveux. Mais si on ne te disait pas, tu ne pouvais pas savoir. Pas de faux cheveux. Que ce soit des trucs artificiels ou des trucs humains, comme maintenant, certaines femmes achètent des mèches que les Indiens offrent en sacrifice à leur Dieu. Ils portent ça. Vous vous rendez compte? Un humain se sentant souillé d'après ses convictions va faire une action de dévotion à son Dieu qui est un démon et lui je t'offre mes cheveux. Quand le Seigneur leur a donné les longs cheveux lisses, ils coupent ça et ils font des cérémonies spirituelles et ils offrent ça à leur Dieu. C'est ça que nos sœurs, plus, beaucoup plus africaines, vont acheter. Elles appellent ça les mèches brésiliennes naturelles. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'il y a une malédiction sur ces cheveux-là. Parce que quand elles coupent pour dire, j'enlève la malédiction et je demande, et elles ont la migraine comme moi là. Amen. Mais elles n'ont pas honte de le faire. Quand une femme arrive dans la scène, l'autre lui dit que tes cheveux qui ont été souillés, qui ont touché, qui ont été en contact avec ces cheveux des démons, enlève, soit comme l'évangile Samuel. Aïe. Mais pourtant, ce que toi tu as mis sur la tête, elle a fait ça. Elle a fait ça. Elle a enlevé, elle était comme l'évangile Samuel. Et c'est ça que toi tu es allé acheter et tu as mis sur ta tête. Nous comprenons simplement que tu es allé porter la malchance, la malédiction, que l'autre a enlevé parce qu'elle sait de quoi il s'agit. Et toi tu as dit non, moi c'est beau, c'est pour la parole, je mets ça sur ma tête. Le Seigneur a demandé que nous ayons le renouvellement de l'intelligence. Amen. Les femmes de la sainte doctrine ne peuvent pas faire ces choses, ni artificielles, ni naturelles. Amen. Alors, nous demandons aux femmes d'être voilées quand elles arrivent au culte. Qu'elles voient la tête, bien sûr, qu'elles mettent le foulard, comme les mamans que nous voyons là. Est-ce qu'elles ne sont pas belles comme ça? Amen. Les mamans, vous êtes toutes belles, vraiment. Vous êtes toutes belles. Amen. C'est un peu étonnant de voir les femmes qui ne connaissent pas Jésus se voiler. Vous savez de quoi je parle. Et même le monde peut me dire copier ça. Mais les femmes qui connaissent la vérité, la sainte doctrine, quand on y met le voile, ça devient comme un poids, comme une charge. Vraiment, que le Seigneur nous enlève cela de la tête au nom de Jésus. Amen. Donc, même les enfants, il est encore bien pour marquer ton identité. Quand tu quittes de la maison, tu es bien voilé, bien démêlé. Il y a des moments ici que les gens regardent souvent et disent que maman, vous êtes belle. Hein? Amen. Amen. Et c'est quand tu t'affirmes comme ça, tu marches dans toute occasion, on te voit que tu es sûr de toi, que tu impactes les autres. Alléluia. Mais si tu n'es pas sûr de toi, on voit que non, la maman là, elle fait ça par contrainte. Même l'autre va dire que non, il y a un problème. Amen. Amen. Donc faisons les choses par conviction. Par conviction, le monde aime voir les gens de conviction. Amen. Amen. Alors, le Seigneur ne veut pas voir donc des cheveux colorés, les coiffures tectoniques, je ne sais même pas c'est quoi. Les deux tons, parfois les papas mettent là dégradé, un dégradé, deux dégradés, trois. Donc ça fait plusieurs. Le Seigneur ne veut pas ça. On veut soit vous restez comme l'évangile Samuel, pour ceux qui ne veulent pas, ils peuvent rester comme le bien-aimé frère, n'est-ce pas? Il est tout beau, cheveux bien rasés, un seul niveau. Amen. Amen. Je crois qu'on va prendre deux photos comme ça. On va demander ça de Charlie. Amen. Amen. Le frère peut être très très bien coiffé. C'est ce que le Seigneur nous demande. Amen. Amen. Nous le voyons vraiment pas de figure de style et tout, que de cheval, les punchs, les raies là. Il y avait un grand président qui est décédé là, il avait une raie ici, la tresse, il avait sa raie là, sud-africain et tout. Mais nous, dans la sainte doctrine, on ne fait pas de raie. On se coiffe et on trace simplement. Amen. Amen. Pas de dread rose, pas de rasta. Et tout ce que vous pouvez imaginer. Comme le Seigneur t'a créé, si tu veux couper tes cheveux, tu les coupes et tu les traces simplement. Amen. 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 Nos sœurs ne mettent pas les boucles d'oreilles. Nous avons déjà des enseignements sur les boucles d'oreilles, pas les piercings, pas les perles. À aucun endroit on ne doit trouver, j'espère que c'est le cas ici, c'est vrai qu'on ne va pas demander, enlever les vêtements, on veut voir sur les piercings. Le Saint-Esprit voit tout le monde. Amen. Amen. Et je sais que les femmes de la sainte doctrine ne blaguent pas avec leur salut. Amen. Elles ne blaguent pas. Quand tu es dans la sainte doctrine et que tu as accepté le baptême, tu as atteint un haut niveau de la sanctification. Amen. Amen. Le Seigneur ne veut pas voir dans l'assemblée des saints des bagues de mariage. Le Seigneur ne nous a pas enseigné. Aucun apôtre, aucun disciple, nulle part dans la Bible, nous a enseigné sur les bagues de mariage. Donc nous, on ne va pas le faire. On est libre. Amen. Amen. Pas de bracelet, pas de chaîne au four, orange, partout pour imaginer les chaînes. On ne veut pas de maquillage.
Même les vernis, on ne veut pas. Vraiment, soyons naturels. Les faux ongles, là, on ne veut pas. Les résines aux doigts, faux cils, rouge à lèvres, lentilles de contact, fond de teint, parfum. L'usage du bicarbonate est recommandé. Nous avons tous, pour certains, des odeurs, d'autres ont des odeurs vraiment de fleurs. Ils n'ont pas besoin, naturellement, la personne sent bon. Mais pour ceux qui ne sont pas en accord, peut-être avec les odeurs naturelles corporelles, il y a le citron, il y a le bicarbonate, il y a la pierre d'Alain, qui sont recommandés. Tout produit naturel, tout produit qui n'est pas manufacturé, que vous connaissez, que ça peut vous aider, utilisez le naturel. Pourquoi? Parce que tout ce qui est artificiel, nous ne savons pas comment ça a été conçu, dans quel esprit ça a été conçu, quel esprit on a invoqué pour que ce soit commercialisé. Et dans le doute, on préfère ne pas utiliser. Mais par contre, il y a des produits naturels, des senteurs naturelles. Mais nous ne conseillons pas, quand vous n'êtes pas au courant de parfum, ne l'utilisez pas. Amen. Amen. Pas de femme, je n'ai pas le même de parfum. Hein. J'espère que vous avez bien compris. Parce que j'ai fait une tournure de phrase là. J'espère que... Pas de parfum. Amen. Amen, amen. Il faut être clair. C'est clair. Peut-être que j'ai fait une tournure de phrase là, il ne faut pas qu'il y ait des malentendus. Amen. Alors, on n'est pas de tenue mondaine. Le Saint-Esprit te convainc que cette tenue-là, c'est une tenue mondaine. Parce qu'aujourd'hui, même les femmes de la Sainte Doctrine savent déjà contourner pour mettre les tenues mondaines et savent déjà comment. Mais le Saint-Esprit te convainc. Amen. Pas de tenue mondaine. Évitez les habits et les chaussures de marque satanique. Le Saint-Esprit te convainc. On peut citer certains. Mais il y en a plein qui ne sont même pas connus. Amen. Donc, vraiment, quand tu vas acheter un, tu dis, Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi à l'achat. Mais nous savons que certaines portes, il y a le sceau du 666, on le sait. On sait que Versace, on sait que Adidas, Nike, et il y a plein d'autres marques comme ça qui portent le sceau de la bête que nous connaissons. Amen. Nous devons éviter cela. Pas de tenue à tête de mort. Ouais, parfois, les gens vont acheter des tenues. On voit les jeunes avec les têtes de mort, avec les têtes de serpents, avec les têtes, avec les dragons. Avec... Les enfants de Dieu n'ont pas besoin de porter ces images bizarres sur eux. Les chaussures à peau de reptile, là. Je suis souvent tombé, il y a très longtemps, je suis souvent tombé sur les sapeurs. Les sapeurs congolais, quand il fait taille, la chaussure ici, c'est quoi? Crocodile? Serpent de quoi? Il fait des commentaires. Non, je n'ai pas dit que c'est seulement congolais qui font ça. Hein. Il y a seulement des tombés sur des vidéos comme ça, on appelle quoi? La sapologie. Vraiment, les enfants de Dieu ne sont pas dans la sapologie. Amen. Amen. Nous habillons de façon correcte et simple. Amen. Sans vouloir impressionner qui que ce soit. La seule chose que nous voulons impressionner, c'est dans notre foi et dans notre relation avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, pas de chaussures à peau de reptile, ni des signes cabalistiques, vérifiez les dessins et les motifs dessus avant d'acheter. Amen. Les hauts talons, vraiment, nos soeurs, nos mamans et tout, savent que les femmes vertueuses ne mettent pas les hauts talons. Nous connaissons l'histoire des hauts talons. J'avais été enseigné sur les hauts talons avant même de venir dans la Sainte Doctrine. Amen. J'avais été enseigné dessus par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'avait dit qu'en fait, le diable pousse les femmes de porter les hauts talons pour qu'elles puissent marcher comme on marche dans le monde des ténèbres. Vous avez déjà vu les sabots? Parce que les démons, beaucoup de démons marchent comme ça avec les sabots, les pattes de chèvre. J'ai eu une expérience spirituelle comme ça, je vous la raconterai la prochaine fois. Quand le Seigneur avait ouvert mes yeux, j'avais vu assis sur la place pour les prêtres, je vais vous raconter ça un autre jour, s'assied un démon géant, costaud grand. Et effectivement, ses pieds étaient les pieds du chef. Et quand l'enseignement que j'avais reçu, c'était qu'en fait, le démon veut que les femmes marchent de cette façon-ci. De cette façon-ci. Parce que ça ressemble aux pattes du chèvre par lesquelles les démons y marchent. Ça, j'étais un fan assez doctrine quand j'avais reçu ça. Que c'est très mauvais les talons. C'est pour imiter la manière dont les démons marchent. Comme ça, là, ils marchent sur la pointe des pieds, comme ça. Là. Amen. Amen. Ça, c'est ce que moi j'avais reçu. C'est une expérience personnelle sur cette histoire de talons. Et j'avais compris à cette époque que les talons, le diable avait envoyé ça pour irriter le Seigneur, pour que les femmes soient vraiment mal vues devant la face du Seigneur. Alors, pas de tenue portant l'effigie d'un parti politique. Nous avons
nous sommes tous dans un seul parti. Et notre vainqueur et vainqueur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui ne passe pas par les élections, il a vaincu. Amen. Il n'a pas besoin d'être candidat. Il n'est pas dans les candidatures. C'est lui, le Dieu, le candidat naturel, unique, qui a créé le ciel et la terre. Amen. Nous ne sommes dans aucun parti politique. Nous ne portons aucune image de parti politique, de politicien. Encore moins de ce qu'on appelle star, de musiciens ou quoi que ce soit. On ne porte pas les images sur nous. Nous portons l'image du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour ça qu'à l'église, vraiment, il ne faut pas venir dire que l'extrême droite a fait comme ça, l'extrême gauche a fait comme ça. C'est encore mieux d'être chez elle et de ne pas être chez elle parce que les politiques d'immigration, ce n'est pas notre problème. Amen. Notre Dieu est au contrôle de tout. Il a dit que le cœur du roi est sur sa main comme un courant d'eau. Il le dirige à gauche ou à droite, comme il le veut. Amen. C'est pour ça que nous ne nous soucions pas des politiques de la gauche, des politiques de la droite, des politiques du milieu. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est le ciel. Amen. Amen. Donc, dans notre église, à l'église, dans notre assemblée, nous ne parlons pas des sujets politiques. Amen. Nous ne parlons pas des sujets politiques. Nous adorons Dieu seul. Il n'y a pas de balade. Quand on a commencé, quand les enfants de Dieu sont déjà assis, les balades, à moins que tu sois vraiment indisposé, à moins que tu sois vraiment une raison importante, utile, il faut que tu te lèves, il faut vraiment. Mais en dehors de ça, il faut rester en place, il ne faut pas bouger, il ne faut pas crier, il ne faut pas bavarder, il ne faut pas perturber le culte. Amen. Il ne faut pas manger aussi. La maison du Seigneur doit être propre, c'est pour ça que nous avons déjà acheté les poubelles, il y en a trois. Donc si tu as quelque chose à jeter, il faut jeter dans la poubelle. Amen. Ok, amen. Pas de groupe ethnique. Pas de groupe régionaliste, pas de groupe clanique, l'xénophobie, le racisme dans l'Assemblée des Saints. Vraiment. Non. Nous, on va constituer notre groupe, notre classe de personnes. Les autres là, non, on ne veut pas ça. Non, nous, on est plutôt de telle région du monde, ou bien de tel continent. Le Seigneur Jésus-Christ réprime cela parce que nous sommes un dans un même esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes tous un. Pas de division, pas de clan, pas de xénophobie, pas de racisme, rien du tout. Amen. Amen. Toute personne n'ayant pas subi le processus d'intégration à l'Assemblée n'est pas autorisée à prophétiser. Parce que nous savons que beaucoup de personnes, ont certainement le don, ont des dons. Mais il faut passer par le processus. Il faut que les serviteurs, tu passes par le processus de l'enseignement de la saine doctrine. Il faut que tu passes par le jeûne et prière et la repentance. Il faut que tu passes par la délivrance. Il faut que tu passes par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Ou le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Avant maintenant que, quand tu veux prophétiser, quand tu veux délivrer un message, interpréter une prophétie, on peut maintenant te donner la parole en pleine assemblée. Amen. Amen. Mais s'il arrive que tu as une vision, tu as un songe, tu as un message. Tu approches les hommes de Dieu et tu délivres ton message. Amen. Amen. Les hommes de Dieu ont eu l'opportunité de le partager en pleine assemblée ou pas. Ou continuer à sonder les esprits qui animent la personne. Amen. Amen. Mais si tu as aussi ce don, il ne faut pas dire non, je ne leur dis pas parce que je ne sais pas. On va me qualifier de quoi? Non, il faut parler. Il faut venir voir les hommes de Dieu. Tu dis, hommes de Dieu, voilà. Nous avons la grâce, le Seigneur a envoyé deux ou trois personnes déjà. Et on voit en elle l'esprit, on voit en elle quelque chose. Amen. Amen. Il ne faut pas parler. Le Saint-Esprit lui-même va confirmer. Amen. Amen. Donc voilà. On ne veut pas avoir les tontines. Les tontines, les cotisations, là, les associations de prêts d'argent, microfinance dans l'église. Les histoires d'argent, vraiment, il ne faut pas qu'il y en ait. Si ton frère vient te voir et que tu décides de lui prêter l'argent, si c'est personnel, ça doit rester personnel jusqu'au bout. Amen. Mais il faut éviter cela. Amen. Amen. Donc, on ne veut pas de collaboration avec des réseaux tels que Jeune Chambre Économique, Rotary Club, Lyons Club, et tout ce que vous connaissez, club. Les enfants de Dieu n'entrent pas dans ce cercle hermétique-là. Nous tenons à signifier que toute personne animée d'un esprit de calomnie, de dénigrement, de médisance, de manipulation, de division, de séduction sera exposée devant l'Assemblée afin que cela c'est d'avertissement. Amen. Amen. Nous comprenons de quoi on parle. Par contre,
Il y a aussi une possibilité que tu te sens pas à l'aise dans un sujet, dans une situation, que tu approches les hommes de Dieu pour dire, homme de Dieu, voilà, je ne suis pas à l'aise dans ça. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez prier? Est-ce que vous pouvez m'accompagner dans cette situation-là? Amen. Mais on dit encore, il ne faut pas qu'après le culte, continue au téléphone. Que non, on ne veut pas tout ça. Que le Saint-Esprit vraiment nous convient dans ces choses. Amen. Amen. C'est aussi, ces jugements-là et tout, nous devons tous avoir le cœur pur les uns envers les autres. Le cœur pur, pas d'hypocrisie. Quand ça ne va pas, tu appelles ton frère, tu lui dis, voilà la situation. Amen. Si ton frère refuse de t'écouter, tu appelles un témoin, vous allez voir ton frère. Vous parlez encore de la situation. Si au fil d'entendre, tu appelles une troisième, deuxième personne, vous parlez, n'est-ce pas? C'est quand ça ne va pas. Venez voir les hommes de Dieu. Amen. Mais il faut vraiment obéir à cette poussée. Et le cœur pur. Amen. Amen. Le Seigneur ne veut pas voir les hommes en débardeur, en vêtements jeans ou en vêtements près du corps. En vêtements de type sky. Je ne sais pas c'est quoi. Je crois que c'est un peu comme le faux cuir. Ah, voilà, dans le faux cuir, même le cuir, même là, le faux cuir, le Seigneur n'en veut pas, c'est ça? Le sky, dans tous les cas, on a dit sky. En short, en pantalon court, empêcher le monde et ses rudiments naturels, l'église, le diable va rester dehors. Amen. Vous avez, bon, ceux qui ont les tatouages, parce qu'avant de connaître cette doctrine, on a fait des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur, qui ne glorifiaient pas nos corps. S'il y a un tissu sur ton corps qui ne glorifie pas le Seigneur, si tu peux, il faut cacher. Même pas si tu peux, il faut cacher. Si c'est un tatouage, il faut le cacher quand tu es dans l'assemblée des saints. Si c'est un truc, il faut vraiment cacher le mieux possible. Je n'ai pas encore quelqu'un de tatouage ici, mais il y en a quand même. Il y a le tatouage là-bas. S'il est ici, comment il va cacher si c'est ici? Mais dans tous les cas, il faut cacher le mieux possible. Amen. Si vous avez, voilà, on appelle les tatouages, on dit présentez-vous devant le Seigneur Jésus-Christ avec simplicité, avec pudeur, modestie, dans la crainte et dans la sainteté. Amen. Amen. Les danses, quand on loue le Seigneur, vraiment les sons nous conduisent par le Saint-Esprit. Je ne vois pas le Saint-Esprit quand on va commencer à danser, mettre à quelqu'un de faire des danses mondaines, imiter certaines stars qu'on voit souvent à la télé. Il faut laisser ces danses-là dehors. Il faut même que ça sorte de nos âmes, de nos esprits, de nos corps. Parce qu'il y a des pas de danse que nous connaissons quand nous étions dans le monde. Quand tu ne pouvais pas faire ça, tu n'étais pas jeune, tu n'étais pas de la mode. Parce que la mode était même dans les pas de danse. Quand on allait dans les fêtes, on met seulement le rythme là. Et si tu ne sais pas dans. Donc nous avons tous appris ces pas de danse là. Mais dans Jésus-Christ, nous n'avons pas de ces pas de danse là. Amen. Évitez d'utiliser les appellations démoniaques pour désigner le Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, Shekinah, Paraclet, Allah, Yuyu, Yaya et tout et tout et tout. Vraiment, il faut ne pas appeler le Seigneur qui par ces noms démoniaques là. Qui ne glorifie pas notre Seigneur Jésus. Amen. Évitez que vos portables sautent pendant le culte. Je voudrais vraiment m'appuyer dessus. Bien aimé. Le téléphone portable n'est pas recommandé, même quand tu veux lire les versets bibliques. Même quand tu veux chanter. J'ai vu les chants ici dimanche avec le portable. Il ne faut pas le faire. Le téléphone portable doit rester dans le sac. Si tu n'as pas la Bible, si vraiment tu n'as pas, il faut accoucher les hommes de Dieu, on va acheter le livre, on va te donner. Amen. Il a encore mieux de recopier tout. Vous voyez, j'ai pris un temps solennel. Il ne faut pas utiliser le téléphone portable pendant le culte. Il ne faut pas du tout utiliser. Ça n'honore pas le Seigneur. En dehors du caméraman officiel qui utilise le téléphone portable pour filmer. Amen. Amen. C'est le seul qui peut manipuler le téléphone portable là, qui sert de caméra. Mais en dehors de ça, il ne faut pas, s'il vous plaît. Amen. Quelle que soit la raison, il faut utiliser le papier s'il faut recopier certaines choses. Encore mieux d'avoir un papier pour les chants, s'il vous plaît. Ou alors même utiliser la Bible. N'utilisons pas le téléphone portable. Amen. Amen. Les femmes qui allaient doivent se retirer. Voilà, on a quand même vu, il y a les femmes qui allaient. Là, on peut leur faire un point là derrière. Dès qu'on voit une femme qui allait, on va mettre une chaise là-bas pour qu'elle puisse se retirer. Quand elle est assise, même ici, on ne la voit pas. Donc, elle sera vraiment dans l'intimité. C'est pour éviter, n'est-ce pas, d'exposer des parties intimes devant tout le monde. On ne dort pas dans la présence de Dieu. Le sommeil et les positions. Il y a des positions vraiment irrévérencieuses. Il y a des positions, tu vois, quelqu'un s'assied, il
des positions. Même croiser le pied devant le Seigneur, c'est irrévérencieux. D'être au culte et de croiser le pied, ça, c'est irrévérencieux. Le roi des rois est là. Le Dieu tout-puissant est là. Parce que croiser le pied me dit quoi? Croiser le pied me dit, je me sens à l'aise. Je suis, en fait, voilà. Ce n'est pas une position de soumission, c'est pas une position d'humilité. C'est une position de suffisance. Et il faut le dire. Ayant une position d'humilité devant le Seigneur. Parce que je ne pense pas que si peut-être le président de cette République, Macron, est là, assis devant toi, tu vas t'asseoir, tu prends le pied. Ah oui, ça va, copain. C'est pas ton copain. Amen. Et le Seigneur qui n'est pas notre copain, c'est notre Dieu. Amen. Donc, voilà. Il est formellement interdit aux femmes de monter sur la chaire pour témoigner ou chanter tout le reste. Nos mamans, nous vous aimons beaucoup, vous vous tenez là pour chanter et pour tous les témoignages et tout le reste. Amen. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit a mis à cœur. Les hommes de Dieu, par révélation, qu'ils ont écrit toutes ces choses-là. Ce n'est pas par leur pensée, c'est pas parce que... Non, c'est par révélation, par instruction, par le Saint-Esprit que toutes ces choses ont été rédigées. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit honoré et respecté. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons enchaîner, non pas fermer le pied, mais nous allons donner la parole à une de nos sœurs qui va nous faire un témoignage. On va l'écouter. Maman vient. Elle va nous donner un témoignage qui va nous permettre également de voir la bonté de Dieu. Amen. Ah, c'est vrai que j'ai dit maman, mais comme la maman s'est levée, non. Viens alors, viens maman. J'ai déjà fait. Tu as déjà fait, c'est par rapport au mal de dos. J'ai déjà fait. Oui, j'ai déjà fait. C'est par rapport au mal de dos. Oui, j'ai déjà fait. Okay. Tu as fait à quel moment? C'est comme si j'ai parlé. Je suis guérie, non. Amen. Dieu m'a guéri, vous avez prié. Amen. Voilà. Amen. 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 Maman, viens encore. Viens encore une deuxième fois. Je croyais qu'il y avait une autre maman. Oui, il y avait une autre maman, mais comme tu t'es levé, fais seulement ton témoignage encore pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Je veux dire que l'autre jour, là, je veux glorifier le nom de notre Dieu. Amen. Qui est bon, qui est fidèle, qui connaît les choses avant que ça n'arrive. Alléluia. Le dimanche que j'étais là, j'étais dimanche, on était avec la sœur. La, on est sorti, la soeur qui prend sa pommade, elle me donne. Elle dit ça, c'est pour la douleur. Parce que le Seigneur a l'habitude de m'avertir parfois comme ça. Elle me donne le bon. Je dis, mais pourquoi elle me donne le bon? Mais est-ce que moi, je n'ai pas de douleur? Pourquoi elle me présente ça? Elle me dit, maman, prends. Je dis, non. Après, mon cœur me dit, prends. J'ai pris. C'était une façon de me dire que quelque chose allait arriver. Donc, je suis partie, et puis j'ai dit à la soeur, quand elle venait à l'église, j'ai dit aux frères, aux sœurs, de prier pour moi, voilà, je marche déjà un côté. Je marchais comme ça. Comme ça. Vraiment, c'était très fort. Et ça me prenait tout le pied là, juste en bas. Ça, le pied, ça... Oui, oui, ça me prenait tout le pied. C'était vraiment très difficile. Grâce à vos prières, dès que vous avez prié, lundi, je me lève, je marche. Amen. Je marche. Amen, amen. Tu es soulagé par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur Jésus. Effectivement, nous avons prié ici pour sa situation. La maman nous a dit qu'il faut prier pour la soeur, ça ne va pas, elle a mal et tout et tout et tout. Donc le Seigneur Jésus, nous le remercions pour ce qu'il a fait. Amen. Amen. Nous avons un autre témoignage. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. J'ai béni le nom du Seigneur. Amen. J'ai béni le nom du Seigneur. Amen. Ça me met la joie. J'avais pas la joie. Ça me met la joie. Amen. Et le message de ce matin aussi, pour dire qu'il attaque des pensées là. Ça, ma joie était. Et ça a augmenté. J'ai béni le nom du Seigneur. Amen. Alors, bien aimé. C'est le témoignage. Je ne sais pas par où je vais commencer, mais il faut que je sois bref. Parce que le temps ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. C'est pour la gloire du Seigneur. Amen. J'ai béni Dieu. Ça fait un moment. C'est vrai que mon mari, c'est lui qui a permis que je puisse connaître Jésus et vie.
les témoignages qui nous ont dépouillés, c'est les mêmes témoignages. Je pense qu'il y a que les hommes de Dieu, l'homme de Dieu, Jean Garcia, a connu. Donc, sur les réseaux, ils se sont connus. Et du coup, voilà un moment, longtemps, Gracien. Moi, j'ai dit, mais c'est qui Gracien? Qui est Gracien? Donc, ce n'est que moi, j'avais à un moment donné, puis je suis allé me balader dans les autres églises. Parce que c'était quoi? C'est qu'on a connu la sainteté. Même mon mari est rentré dans un truc de, comment il faut dire, les dénonciations comme Georges Lama. Moi, ça ne me dérangeait pas. Vous savez, ça me dérangeait beaucoup. Donc, du coup, j'ai dû me laisser partitionner d'autres églises. Puis maintenant, je suis revenu. Quand je suis revenu, il dit, ah, voilà, tu peux suivre cela. J'ai dit, ok, quand j'ai vu, parce que c'est le message, je cherche pas le visage. Je suis allé chez Dipalaï. J'ai vu que ce n'est pas pareil. Parce que nous, ce qu'on a vu, les témoignages qui nous ont dépouillés, c'est ça que je vise. Donc, du coup, Dieu merci, quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, waouh, les frères, waouh. On a vu au début jusqu'à ce que là où ils sont arrivés. En tant que monsieur, mon mari, il s'est retiré, il ne suivait plus. Il allait fouiller, il a trouvé d'autres. J'ai dit, là, moi, je suis avec eux. Là, les messages qu'ils ont là. Moi, j'ai appris à prier. Ah, donc, je ne peux pas. J'ai dit, c'est devenu autre chose, comme vous, vous le savez. La colère, tout et tout. Ok. Donc, vraiment, ma prière, je dis, Seigneur, regarde, nous, on s'est mariés ici à Paris, dans la voie large. Regarde comment Dieu permet, Dieu décortique la parole du mariage même. Je sais que, moi, je le dis, hein, mon mariage ne répond pas à ça, les critères de la sainteté. Et s'il revenait, voilà ses frères, ils ont commencé, il a commencé à grâcer. Voilà comment Dieu a en train de révéler les secrets. C'était ma prière. Et un jour, il me dit, tu peux me donner le numéro de Gracien? Parce que quand je vois la même, il fait ça, c'est colère, prière, il ne veut même pas. Donc, quand il a dit, je veux le numéro de Gracien, j'ai dit, mais ça y est, sur les réseaux, si tu vas là, tu vas le prendre. Tu vas voir. Mais il dit, bon. Puis, comme il m'a demandé, j'ai quand même donné. Il dit, voilà ça. Et puis, par moment, je lui ai demandé, chérie, tu as appelé du nom? Non, comme il a été un homme bon, timide, peut-être qu'il fait les télévisions, les trucs, mais comme ça, vis-à-vis, là, non, c'est pas ça. Donc, du coup, j'étais là cette semaine-là, je me suis retiré. On a deux pièces hautes. Monsieur était dans la chambre. Il était en train de prier même. Et il était là, je l'entendais parler, bon, il peut causer, il est libre. Et il vient me trouver dans la chambre avec un sourire, là. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as quoi? Il dit, tu m'as entendu parler? J'ai dit, non, je savais que tu parlais, mais comme j'étais en prière. Il dit, ah, je viens de parler avec l'évangéliste. Et où au Seigneur Jésus? Et puis je me suis resservi. Il a dit quoi, viens, ça sent. Je dis, non, il a raison. Il a raison. Et vraiment, j'aurais pu le contacter d'abord. Et il dit, mais quand on dit un frère, même si on dit qu'il a commis un crime, il faut te rassurer. Tu lui demandes, tu cherches. Tu as vu? Oui, ce qu'il a dit m'a reproché, vraiment, c'est, il a été blessé, mais c'est vraiment, c'est maintenant que je reconnais que j'ai mal fait. Donc, c'est ton frère, à moi, il faut l'appeler. Donc, j'ai béni Dieu pour vraiment l'acte que le Seigneur a posé en lui. Pour arriver à lui. Moi-même, j'ai dit, bon, je ne vais pas que je vais appeler l'homme de Dieu, Jean Garcia, je vais le faire après. Mais là même. Et c'est la première fois aujourd'hui. Mon mari, Soumaro Méman, dit Jacques, évangéliste Jacques, il a suivi le culte de Jésus, il revient. Alléluia. Il s'est resté dans la chambre, moi j'étais au salon, j'écoute la voix, j'ai dit chérie, dis non, tu peux mettre. Et puis, je vois, bon, il était fatigué, il s'est endormi, mais le culte était là, il dort. J'ai dit Seigneur, là, même où il dort là, réveille-lui le statut même de son frère. Amen. Voilà, vraiment, j'ai béni Dieu. Que le Seigneur fasse que tout rentre en. Amen. C'est normal. Donc, il est allé là-bas pour les faire. Et puis, à cause de leurs vidéos, beaucoup sont partis. Moi, mais il y avait des menaces. Mais j'ai dit non, j'ai vu la vérité. Ce n'est pas l'homme que je vois. La parole qu'il prêche là, c'est ça que je vois. Amen. Maman, garde le micro. Tout à l'heure, quelque chose se passait avec les frères où Bélian n'a pas suivi. Si tu peux nous faire un petit résumé, qu'on acclame pour le Seigneur. Amen. Ça me ferait plaisir. Alléluia. C'est ça, dans la joie. Oui, c'est ça. Hier même, j'ai voulu laisser un. Dès qu'il a dit ça, j'ai voulu laisser un message à l'homme de Dieu pour dire oh. Ça dit, c'était comme des pleurs même. J'ai dit non, il y a mieux. Ça dit, si je l'appelle, j'allais laisser un audio de pleurs. De pleurs pour dire wow, c'est Dieu qui a permis. Amen. C'est Dieu qui a fait que. Vraiment. Donc, du coup, là, tout à l'heure, dans les messages,
je vois l'homme de Dieu qui a commencé. Et puis c'est comme si moi c'était des liens qui tombaient de mon... L'homme de Dieu, c'est-à-dire l'évangile chrétien, pendant le culte qui s'est déroulé au Bénin, tout à l'heure, aujourd'hui là. Aujourd'hui au Bénin, voilà. L'homme de Dieu a parlé de ça, que oui, j'ai un frère, c'est mon frère, depuis les débuts. On était frère, on est frère même. Voilà. Il parlait donc du mari de la mari, soeur. De mon mari. C'est de son mari qu'on parlait, donc le témoin qui est là, c'est ça que... Il parlait de mon mari, c'est son frère de l'homme de date. Ils se sont promis, je crois, en 2015, moi j'étais là ailleurs. Et donc il disait comme quoi mon mari l'a appelé. J'étais là, mais j'étais dans la chambre. Il l'a appelé, moi j'étais en prière même. J'ai prié pour ça. J'ai prié pour ça parce que dès qu'il les a quittés, ils sillonnaient partout, ADP, quoi, quoi. Maman, attends, il faut que les gens te comprennent en fait. C'est que comme tu racontes là, les gens n'ont pas compris le fond du dossier. La maman a fait nous expliquer. Depuis 2015, c'est bien cela. Au début du réveil, le frère, l'évangéliste Jean-Gracier était en contact avec son mari ici en Europe. Et ils échangeaient ensemble. Et ils s'encourageaient, se soutenaient. Ça veut dire que son mari, en fait, connaît le message de la Sainte Doctrine depuis au moins 2015. Et il est en contact avec l'évangéliste Jean-Gracier. On a connu le message. Depuis 2013. Et ils sont en contact avec l'évangéliste Jean-Gracier depuis le départ. Il est donc arrivé que son mari n'était plus d'accord avec le Jean Gracien, c'est cela? Il a entendu. Il a entendu les commentaires des détracteurs, parmi lesquels, voilà, moi je me fais le pacifier. Il a entendu. Et il a aussi fait une vidéo, il a aussi fait une vidéo. Lui aussi, il était parmi ceux qui saquaient le Jean Gracien. Donc du coup, non, mais parce que moi, il me disait, je n'allais pas sur son site parce que, quand une fois... Le type de ton mari? Non. De l'évangile chrétien? Non, le celui de mon mari, je ne connais même pas. Donc il a aussi un site? Il a un site. Parmi lesquels ceux qui faisaient les messages contre la Sainte Doctrine, son mari était parmi. Donc ceux qui ont commencé à dire, voilà, c'est des chrétiens, vaudou, tout comme ça. Donc son mari était parmi en fait, ceux qui faisaient les vidéos. Une fois, moi, je vois ça, moi je ne suis pas trop internet. Donc du coup, moi, c'est dans ce que l'homme de Dieu, Jean Glacel, disait. C'est là que je vois un peu comment ça s'est déroulé, c'est tout ça, moi je ne vais pas dessus. Je sais que quand il a appris, puisque moi, rien ne m'étonne, puisqu'on a suivi en direct ce qui s'est passé, la prophétie a dit qu'ils seront secoués. Est-ce que le Seigneur me disait, est-ce que vous n'allez pas m'abandonner? Ils étaient encore 5 au complet. Je crois que c'était au Mali. On a suivi la prophétie qui est sortie. Comme quoi, il va avoir des choses qui vont les secouer. Est-ce qu'ils vont tenir? Est-ce qu'ils vont tenir? Et même pas longtemps, cela a déclenché. Donc, qu'est-ce qui pouvait m'effrayer? Mon mari ne m'a pas rien. Il vient là et dit, tu as vu, il faut les laisser, il faut les laisser. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Tu as appris quoi? Si tu as appris quelque chose, c'est ton frère. Donc, maman, dans cette situation, donc, quand il y a eu ce désordre, son mari faisait aussi les vidéos. Et le mari, c'est le mari qui l'a amené à la Sainte Doctrine. Et lui, il dit que, bon, comme ça s'est gâté comme ça, il a dit à la femme, la Sainte Doctrine de Jésus revient dans notre communauté. Le mari dit que non, il faut que toi, tu abandonnes ça. Elle a dit à son mari, non, il y a la vérité là-bas. Tu ne peux pas me décourager parce que j'ai déjà vu qu'il y a la vérité. Et donc, malgré tout, elle est restée, le mari s'est détaché. C'est bien cela. Oui. Moi, je savais même pas qu'il était détaché. Bon, quand il a dit ça, là, c'est là que j'ai vu qu'on allait à l'évangélisation, à la Tour Eiffel. L'homme de Dieu, ils étaient encore là-bas, là où ils sont partis dans le pays, là. Mali. Mieux quelque part là-bas. Et du coup, l'homme de Dieu, Jean Gracien, m'appelle pour dire, ma soeur, je dis, je suis en pleine évangélisation. Il dit, mets-toi de côté. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, quoi? Il y a quoi? Il dit, mon frère, quand il a dit ça, il dit, ton frère, parce que moi, c'était les menaces orales. Hein, quand il rentre dans la maison, ce qu'il disait, c'est ce qui me faisait chier. Donc, du coup, j'ai dit non, à moi il me dit de ne pas vous suivre. Je ne sais pas, à part ça là, il me menace. Donc du coup, c'est tout ce que je sais. Il dit, ah d'accord. Donc moi je n'ai pas encore vu les vidéos, puisque je n'ai même pas su son truc, je ne vais pas. Donc voilà, aujourd'hui Dieu a permis dans la semaine, je ne sais pas, il y a 2 jours, il a appelé son frère. C'est une repentance. Et c'est là, après il me dit, ah, tu as vu la soeur, laquelle soeur? Et Bélégoua, quoi là, moi ça m'intéresse pas. Il dit, j'ai fait comme si j'ai dit, ah, tu sais, j'étais allé à la soeur Marthe, et puis j'avais vu. Quand je suis rentré, je ne lui ai pas dit. Il suivait beaucoup, il y a cette fille là. Il dit, quoi, qu'est-ce qui s'est passé encore?
Il dit non, voilà la fille là, et voilà, il montre la vidéo. Je dis chérie, c'est bon, tu veux rien pour lui, il a déjà vu. Donc voilà, de temps en temps, il faut l'appeler, c'est ton frère, la repentance. Amen, amen. Donc voilà, je bénis Dieu, on continue les prières, et que vraiment, mon cœur, une fois en joie, mais c'est maintenant, c'est par rapport à ce que l'homme de Dieu, Jean Glacé, a détaillé, que j'ai vu que à cause de leur truc, beaucoup sont partis. Puisque moi, je n'ai pas vu les enseignements de mon mari pour dire non. Beaucoup sont partis. Même moi-même qui suis, je suis ivoirienne, ça n'a rien à voir. Hein. J'ai été faire mon baptême à Bassam. J'étais là-bas et la délégation m'a trouvé. Je ne savais rien. Donc, je n'ai pas été suivi comme on doit suivre. Je me suis dit que, ah, peut-être c'est à cause de mon mari là. Même l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, m'a demandé, je ne vais pas. J'étais chez lui. C'est qui ton mari? Et puis il a dit, j'ai dit, oui, c'est là que j'ai vu la vidéo. Il dit, bon, ne tiens pas compte de ça. Là. Mais moi, mais j'étais pas. On ne m'a pas pris comme on devait me prendre pour ma délivrance. Bien, je me suis dit, peut-être c'est à cause de ce que mon mari a fait là-haut. Après, je pleurais quand je devais venir. Sa femme me dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Il est sans façon même, Abraham. Il dit, tu pleures pourquoi gêner? Il m'appelle gêné. Il dit, mais on ne s'est pas occupé. J'ai vu les glaciers aussi. Je suis allé prendre mes affaires là. Avec la femme du prophète Ézéchiel, j'avais commandé. Donc quand ils sont arrivés, ils m'ont appelé, je les ai rejoints là-bas. J'étais, comment on dit, gros français, abasourdi, quoi là. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai dit. C'est là que je viens demander pardon pour dire vraiment, vraiment, que ce n'est pas les mots, mais moi. Voilà Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Grand bénissons le Seigneur pour ce grand témoignage. Amen, amen. Nous avons juste compris ce qui s'est joué en fait. Pour couper court, quand le Seigneur avait averti les hommes de Dieu de la turbulence qui va avoir lieu dans l'assemblée, son mari faisait partie de ceux qui ont vraiment, vraiment combattu le réveil. Par les vidéos qu'il a fait aussi, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a touché son mari qui, en semaine, a appelé le serviteur de Dieu, l'évêque Jean Gratien, pour s'excuser de tout ce qui s'est passé. Parce qu'il a été convaincu qu'il a fait, il était dans l'erreur, qu'il s'est trompé. Mais, parmi les vidéos qui circulaient, parmi les commentaires et tout, son mari a joué un grand rôle. Mais par la grâce de Dieu, dans toutes ces choses-là, elle est restée stable. Amen. Amen. Elle est restée stable. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. La soeur est restée stable. Son mari qui a mis le réveil est sorti, a commencé à tirer sur le réveil. Elle est restée stable. Amen. Et elle a continué à intercéder. Plusieurs fois, elle avait compris ici pour son mari. Plusieurs fois, on a prié. C'est pour ça que je dis encore, les prières que nous élevons ici, là, ce n'est pas le nombre. Le Seigneur entend et il agit. Amen. Amen. Nous avons plein de témoignages. Voilà un autre témoignage. Où quelqu'un a combattu le réveil activement sur les réseaux sociaux. Après, il a appelé maintenant l'évangile Jean Gratien. Il lui a dit, je pense que je me suis trompé. Que le Seigneur le bénisse aussi. Amen. Il est mieux de se tromper avant la mort que de mourir sans être repenti. Amen. Amen. Donc, comme il a confessé cela, levons-nous bien aimés. Nous allons prier pour ce frère-là. Nous allons demander au Seigneur de pardonner tout ce qu'il a fait contre le réveil. Et nous allons demander au Seigneur de le bénir. Amen. 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 Parce que c'est une brebis du Seigneur. Quel est ce berger qui ayant 1000 brebis? Si une brebis se casse la patte, ne va pas s'arrêter pour s'occuper de cette brebis-là. C'est aussi une brebis du Seigneur. Amen. Amen. Comme il a reconnu, levons la voix, demandons au Seigneur de pardonner, mais de le bénir aussi. Qu'il soit maintenant un outil pour la sainte doctrine et pour gagner les âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce grand témoignage que nous avons entendu. Merci pour ce témoignage. Que ton esprit a convaincu le péché et qui est revenu à de meilleurs sentiments. Qui a dit, je ne veux pas combattre la bonne nouvelle, je ne veux pas combattre le réveil. Je demande pardon. Seigneur, parce qu'il s'est répandu. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. De pardonner, Seigneur. Décharge, bénis les liens. Enlève la condamnation. Seigneur, déchire
un acte qui nous condamne devant toi, afin que l'ennemi ne puisse pas, Seigneur, l'accuser devant toi. Oh Seigneur, pardonne. Toi qui es bon, tu sais, nous savons que quand tu pardonnes, tu nous prie. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, que ton sang le lave. Nous entendons le lave de ce péché-là, Seigneur. Laisse-le avec nos corps. Et nous implorons, Seigneur, de le bénir, Seigneur. Bénis-le de manière à ce qu'il comprenne que tu le bénis de manière particulière par rapport à comme il était avant. Bénis-le, Seigneur, et qu'il soit un outil qui va gagner les âmes, un outil qui va gagner les âmes, Seigneur, pour le ciel. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu as écouté nos prières. Bénis aussi la sœur, Seigneur, qui a persévéré dans la sainte doctrine, qui a prié, qui a intercédé pour son mari. Oh Seigneur, avec douceur et avec amour. Continue de la bénir, Seigneur. Que son foyer soit stable. Que son mariage soit stable. Et qu'elle soit un exemple pour toutes les sœurs qui passeront aussi par la tribulation de leurs époux. Pour qu'ils comprennent que rester stable dans la foi finit par gagner le mari. Comme tu avais dit, Seigneur, que oui, c'est dans la posture, dans la crainte, dans l'amour de son mari qu'on finit par le gagner pour nous, messieurs. Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons continuer dans la prière. Prions pour les hommes et les femmes qui sont en couple avec des partenaires qui ne croient pas. Des partenaires non seulement ne croient pas, mais qui les combattent dans leur foi. Malgré tout ce que leur compagne ou leur compagnon fait, ils les combattent simplement parce qu'ils veulent qu'ils quittent la foi. Prions vraiment. Certainement ici, il y a des mamans qui ont des maris qui ne croient pas et qui les combattent. Peut-être on a aussi des papas qui ont des femmes qui regardent la sainte doctrine de loin et qui ne sont pas là. Prions pour que nos compagnons et nos compagnes, s'ils ne viennent pas au salut, mais au moins qu'ils nous donnent la paix. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que c'est toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps. Il t'a plu, Seigneur Dieu, que ce soit le temps de prier pour nos femmes, pour nos maris, pour nos compagnons et pour nos compagnons. Seigneur, tu nous as appelés au salut. Mais certains parmi nous sont venus, Seigneur, sans leurs compagnons, sans leurs maris, sans leurs femmes. Nous te prions, Seigneur, pour toutes ces personnes-là qui sont dans des foyers difficiles où les femmes les combattent la vérité, où les maris combattent la vérité. Oh Seigneur, nous te prions, non pas de les punir, mais Seigneur, de les convaincre comme tu as convaincu de faire. De les convaincre, Seigneur, qui voient l'amour de Dieu dans nos vies, qui voient le salut de Dieu dans nos vies, qui voient l'appel au salut dans nos vies. Oh Seigneur, nous te prions pour les femmes et les hommes. Oh, donne la force à ceux dont les maris combattent le réveil, de supporter, d'être fermes. Donne la force à ceux dont les femmes combattent le réveil, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore de mariage, Seigneur, ne les oriente pas vers ceux qui vers les incrédules, vers les païens, mais oriente-les vers ceux qui sont dans la sainte doctrine. Mon Dieu, mon roi. Écoute nos prières pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons que tout le monde soit sauvé. Donne-nous aussi d'avoir un comportement qui permet à nos femmes et à nos maris de voir que nous avons changé et que nous sommes bien meilleurs. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous allons continuer. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons prier pour nos enfants. Beaucoup parmi nous avons des enfants qui sont étonnés du changement. Parce que quand nous étions, ils sont peut-être nés quand nous n'étions pas dans la sainte doctrine. Et maintenant nous sommes venus dans la sainte doctrine, nous avons changé. Je connais une dame qui n'est pas de cette bergerie, ses enfants lui parlent tellement, c'est-à-dire qu'elle est mal à l'aise parce qu'elle s'est dépouillée. Les enfants disent, mais maman, tu es devenue vieille, tu es devenue... En fait, ce sont ses enfants maintenant qui ne lui donnent plus la paix. Parce que c'est une veuve, une jeune veuve. Mais c'est les enfants qui sont surpris du changement de leur maman et qui estiment que la maman n'est plus dans le canon de beauté de ce monde. Et il y a aussi parmi nous des enfants qui s'interrogent. Que maman, comment tu as changé comme ça, maman? Est-ce que tu peux... Pourquoi? Donc prions pour nos enfants qui ne comprennent pas le changement qui s'est opéré dans nos propres vies. Dans tous les cas, tu ne peux pas venir dans le réveil et être le même. C'est impossible. Le serviteur que je suis était dans le monde de la musique. Ils étaient des hommes de la nuit. Et dans ma maison, il y avait toute sorte de joie et tout le reste.
mais ça a changé. Sauf que ce changement, mes enfants regardent encore ça avec distance. Ils voient bien que ça a changé, ils le voient, mais il y a encore un truc qui se joue, c'est un processus. Je bénis le Seigneur parce que je ne suis pas dans le cas où les enfants, ils sont vraiment soumis. Mais il y a des foyers où les enfants ne sont pas soumis, où ils combattent plutôt les parents qui sont dans le réveil. Vous êtes au courant de la sœur dont la fille fugue. Cet enfant dit que sa maman est sorcière, parce que sa maman prie trop. Tu pries trop, toi c'est une sorcière, tu ne peux être qu'une sorcière, comment tu peux prier comme ça? Vraiment, prions pour les parents, pour que nous conservions l'amour pour nos enfants, malgré qu'ils sont pour nous des tribulations, malgré qu'ils nous combattent de ce que nous avons changé de vie. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te prions pour nos enfants. Nous te remercions parce que tu nous as donné des enfants dans ce monde. Pour qu'on puisse les éduquer. Oh Seigneur, nous te prions pour eux. Afin que ton Saint-Esprit les visite aussi. Afin qu'ils deviennent aussi les enfants de Dieu. Qu'ils viennent dans l'assemblée. Et que nous construisons un monde avec nos enfants. Seigneur, donne aux parents qui subissent la marginalisation qui subissent la foudre de leurs enfants, Seigneur, qui subissent un mauvais comportement, leur soumission, Seigneur. Donne la force aux parents, Seigneur. Donne la force aux parents. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen. Frères et sœurs, nous allons aussi prier. Comme on a prié pour le mari de la sœur Priscille, pour tous ceux qui vous combattent, tous ceux qui vous critiquent, Jésus n'est plus à Jésus revient. Que le Seigneur touche leur cœur, qu'ils se répandent et qu'ils reviennent à la maison mère. Au nom de Jésus-Christ, prions pour Seigneur, je bénis ton nom. Que l'ennemi ne veut pas s'arrêter. Il va combattre toute la sainte doctrine. Il va continuer à combattre, il va continuer à diviser, même parmi nous. Nous avons reçu cette révélation-là. Nous allons prier. Prier pour que chacun de nous ne soit pas l'occasion de chute de l'autre. Prier pour que chacun de nous soit dans l'humilité parfaite devant le Seigneur. Prions pour que ça ne passe pas par nous. Que le Seigneur nous épargne, parce que le Seigneur dit qu'il y aura des occasions de chute, mais que malheur à celui qui sera l'objet de cette occasion de chute. Nous allons donc prier pour que le Seigneur nous garde unis. Même si ton frère ou ta soeur te blesse, que tu regardes à Jésus, cette blessure-là, tu dis Seigneur, c'est la marque de l'amour que j'ai pour ma soeur ou pour mon frère. Prions pour que nous restions unis, quelles que soient les situations. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons te prier au nom de Jésus. Pour que nous puissions, Seigneur, continuer à être unis. Seigneur, que mon frère et ma soeur que j'ai connu ici, que nous restions unis. Que nous restions unis. Que rien, Seigneur, ne vienne nous désunir. Oh mon Dieu, que nous ne regardions qu'à Jésus. Oh Seigneur, Apaise les cœurs, attention. Oh Seigneur, garde-nous, que nous soyons un, 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 que nous so
l'Esprit de Dieu, nous sommes là dans un lien d'âme. Oui, tenons-nous, tenons-nous par la main avec l'Esprit de Dieu. Continue à prier pour que le cœur de Pierre sorte et que ce soit un cœur de chair, un cœur qui est dominé par le Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous un cœur de chair, un cœur qui est dominé par le Saint-Esprit de Dieu. Car l'amour pardonne, un cœur d'amour, un cœur qui pardonne, un cœur, Seigneur, qui est de chair, non un cœur dur. Toutes les nations sont
sont en train de connecter à Jésus-Christ. Le réveil, le réveil à Dieu, le réveil à Dieu, le réveil à Dieu, le réveil à Dieu. Alléluia, toutes les nations sont en train de connecter à Jésus-Christ. Le réveil à Dieu. Seigneur Jésus pour ce moment, pour la joie que nous venons de partager les uns les autres.
Nous avons partagé une joie immense suite au témoignage à la guérison de notre sœur. Nous, à notre tabouin, nous a permis d'être là aujourd'hui, dans la joie, dans la paix. Saint-Esprit, glorifie-toi. Je veux que je sois juste un canal que tu utilises pour exhorter ton peuple. Bénissons-tu, Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Que toute la gloire te revienne. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Que le Seigneur vous fortifie à cette marche difficile. Mais nous sommes au bon endroit. Nous sommes dans un beau avion. Il y aura des escales. Mais nous ne sortirons pas. Il y aura des escales. Déjà, vous y entrez. Et un beau jour, nous allons nous retrouver avec le roi de gloire. Amen. Amen. La joie sera démultipliée par je ne sais pas combien. Ah, nous dirons enfin, nous sommes parvenus. Car le but de la foi, c'est le salut de l'âme. Alors, la foi. Je parle de la foi et les épreuves. Nous allons voir la foi selon la définition. Définition du dictionnaire et la foi selon Dieu. Alors, la définition littéraire de la foi, c'est une assurance donnée d'être fidèle à quelqu'un, d'être fidèle à sa parole, hein, d'accomplir ce qu'on a promis. Nous pouvons prendre l'exemple d'un contrat de travail, par exemple. Quand vous signez un contrat de travail, quand on vous embauche, c'est parce que celui qui vous a embauché, l'employeur, estime que vous avez les capacités que vous pouvez exécuter la tâche qu'il vous a confiée. Et donc, quand on parle de foi, il y a toujours deux acteurs qui rentrent en ligne de jeu. Là, il s'agit de l'assurance que vous vous donnez à l'employeur, et de l'autre côté, vous avez la certitude qu'à la fin, bon, vous serez payé. Et donc, il y a toujours deux acteurs qui rentrent en ligne de compte. Pour voir le cas, par exemple, du mariage. Vous avez une femme, voilà, vous échangez, vous faites la dot, c'est parce que vous avez la capacité de l'héberger, hein, de lui accorder un loyer et de la nourrir, pourquoi pas, hein. Et puis c'est parce que vous êtes certain que vous allez vous accorder, vous avez sa confiance, vous lui donnez votre confiance. Et en retour, elle se doit aussi de vous faire confiance. Vous allez vous marier, vous aurez des enfants. Vous allez déterminer un chemin ensemble. Merci. Amen. Voilà. Donc, il y a un plan de vie que vous déterminez ensemble et vous vous faites confiance mutuellement. Donc, quand on parle de foi, on parle de l'assurance que l'on donne à quelqu'un, hein, d'accord, d'être fidèle à sa parole, et on parle aussi de la confiance absolue que l'autre met en vous. Hein, soyez bénis. Alors, donc, mais selon la Bible nous donne la définition comme quoi la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette définition-là. Nous sommes dans la foi en Jésus-Christ et à la Bible. On nous a raconté l'histoire d'Abraham, de Job, tout ça, on ne sait pas. On est libre de croire, de ne pas croire, pour plus, il y a des athées. Pour preuve, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais le Seigneur nous a fait miséricorde de croire sans avoir vu. C'est pourquoi il a dit heureux, ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc, en fait, le but de la foi, c'est le salut de l'âme, comme il est écrit dans 1 Pierre 9. Je vais lire ça pour que ça soit plus clair pour chacun de nous. Bon, je commence un peu plus haut. Hein. On dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Vous voyez, nous aimons le Seigneur Jésus sans l'avoir vu. En qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Donc, la foi sur la Bible, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère, c'est vrai. Mais le but de la foi, c'est le salut de notre âme. Et le salut de notre âme, c'est la finalité. C'est la finalité. Mais avant
quand on parle du salut de notre âme, il y a une étape. C'est-à-dire que nous devons avoir une confiance inconditionnelle à Dieu, lui confier entièrement notre vie, marcher avec lui en sainteté de vie. Ouais. Donc, nous avons vu les exemples de la foi dans la Bible. Nous avons vu Job, pour le temps que cet exemple. Nous avons vu comment Job a marché avec Dieu. La foi vous permet de forger une personnalité, de former une carapace. Pour preuve, grâce à l'amour que vous portez pour le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur vous tient. Le Seigneur nous tient. Le Seigneur nous donne l'assurance de notre salut. Et la grande partie de l'assurance de ce salut que le Seigneur nous donne, c'est que nous l'avons. Nous essayons de lui être agréable en toutes choses, en quoi faisant tout simplement en abandonnant le péché. Parce que nous savons que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Alors, là, nous avons essayé de définir la foi selon le dictionnaire et selon la Bible, d'une manière succincte. Maintenant, nous allons parler des épreuves, parce que j'ai parlé de foi et épreuves. D'une manière générale, il y a trois types d'épreuves. Il y a les épreuves qui proviennent de nos erreurs, des péchés, de la zanade de famille. Il y a des familles où les gens souffrent d'hypertension. Toute la famille, j'en connais un. Tous les enfants sont hypertendus. C'est une maladie spirituelle liée aux alliances de famille. Il y a des familles où les gens ne se marient pas. Il y a des familles où les premiers fils ou les premières filles n'avaient pas enfanté. Il y a des familles où on ne fait pas de garçons. Enfin, il y a des filles qui ne font pas de garçons, ne font que ainsi de suite. Donc, c'est une preuve. Il y a des familles où il n'y a pas d'enfantement. Une femme qui n'enfante pas, qui est mariée, c'est une preuve. Alors, donc, il y a des épreuves liées au péché, liées aux alliances de famille. Il y a aussi des maladies spirituelles. Il y a aussi le célibat. Il y a des familles où les filles ne se marient pas, ou quand elles se marient, ça finit toujours par un divorce. Tout ça est lié à des alliances. Il y a maintenant les épreuves liées à ce monde des ténèbres, puisque le plan de ce monde des ténèbres, il a tout mélangé. Quand il y a par exemple les feux de forêt, ça dégage des gaz toxiques, les gens tombent malades. Il y a des maladies liées à notre mode de vie. Il y a des maladies liées à l'alimentation. Les gens souffrent d'allergies, pourquoi ? À cause de l'alimentation, ainsi de suite. Donc, il y a aussi maintenant la gestion des hommes. La gestion des hommes fait que le monde est sans dessus-dessous. Vous voyez tout ce qui se passe. On parle de climat. Je pense que nous avons entamé le chemin de nos retours. Vous voyez les inondations. Tout cela est lié à la gestion des hommes de la terre parce que Dieu nous a confié sa création. Malheureusement, ayant mal géré, tout le monde est plus ou moins concerné, nous, dans une moindre mesure, ayant mal géré la création divine, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Maintenant, il y a les épreuves de la foi. Les épreuves de la foi, nous avons vu Job en action, nous avons vu par exemple Abraham, nous avons vu comment le Seigneur a marché avec Abraham, nous avons vu aussi les apôtres tels que Étienne et Paul. Bon. Là, nous allons précisément lire un passage concernant le serviteur Abraham. Le père de la foi. Je parle de lui précisément parce que c'est le père de la foi. Nous allons dans Genèse 22. Voilà. Donc après, Genèse 22 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Donc là, nous voyons, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moïse, et là,
offre lui un holocauste sur une montagne que je te dirai. Vous vous imaginez, son, votre fils unique, que Dieu vous a donné après dans votre vieillesse, il vous demande de le sacrifier. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham se leva le grand matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père dit, « Mon père, » et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'anneau pour le holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'anneau pour le holocauste. » Vous voyez, il a obéi à Dieu, il ne s'est pas posé de questions. Il a pris son fils, il était prêt à sacrifier. Parce qu'il s'est dit, bon, c'est lui qui me l'a donné, il peut le reprendre. Il peut le reprendre, il est capable de tout. Donc, Dieu peut dire ici, c'est quoi? Donc, la foi, c'est la confiance. Abraham a fait une confiance aveugle à Dieu pour se dire, mais il a un plan. S'il demande que je sacrifie moi, Isaac, il a forcément un plan. Donc, il n'y a pas de souci, je le ferai. Et voilà. Donc, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Vous voyez, donc Abraham n'a pas fait sa plan. Il était décidé à tuer son enfant comme Dieu lui avait demandé. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Vous voyez, donc, nous voyons bien dans ce contexte que la foi, c'est aussi la crainte de Dieu. Dieu a dit, je fais. Je ne réfléchis pas. Je ne raisonne pas. Parce que je sais que c'est Dieu. Je sais que c'est lui qui m'a créé. Je sais qu'il fait tout. Donc, si nous partons de ce principe dans nos épreuves, nous n'avons pas de doute à avoir. Nous avons quelqu'un, les vrais ne voient pas. Nous avons la foi qui connaît tout, qui sait tout, qui peut nous sortir de n'importe quelle situation. Mais ce qu'il veut de nous, c'est que nous nous faisons confiance. Vous voyez, là, et on a parlé de je sais maintenant que tu crains Dieu. La crainte, c'est l'obéissance aussi. Il a obéi à un ordre que Dieu lui a donné. Ouais. Alors, et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla le prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu ainsi de suite. Vous voyez, donc, qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est l'obéissance d'une manière totale et absolue à notre Seigneur Jésus-Christ dans les épreuves. Les épreuves sont inhérentes à la vie. Les épreuves sont inhérentes à la vie et nous nous tenons dans les épreuves de tenir ferme, de regarder à celui avec qui nous sommes en alliance, qui est notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qu'il peut tout, quelles que soient les épreuves, il est en mesure de nous sortir des difficultés. Et dans la foi, parce que nous avons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une confiance absolue que nous devons avoir en restant dans la méditation, en restant dans la prière et en restant dans la sanctification. Pourquoi la sanctification? La sanctification, c'est quoi? Au fait, c'est l'abandon du péché. C'est le refus du péché. Donc, quand nous sommes face aux épreuves, nous ne devons pas paniquer. Car les épreuves sont inhérentes à la vie. Nous ne devons pas paniquer, car nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes guidés, non pas à la vue, mais nous sommes guidés par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, partant de ce principe, nous devons lui obéir comme Abraham a obéi. Nous devons passer le temps
à méditer, à prier et à espérer. Parce que l'espérance, la foi aussi, c'est l'espérance. Espérer à des jours meilleurs. Donc nous devons donc manifester notre foi. Comment manifester notre foi? C'est pas la sagesse, c'est pas la patience, c'est pas la certitude, la confiance absolue que nous avons à notre Seigneur, parce qu'il est le consommateur de la foi. Nous devons aussi savoir que sans la foi, nous serons lui être agréables. Pour une précision, je vais vous lire le passage des Hébreux 11:6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Vous voyez, donc la foi est capitale pour le chrétien que nous sommes. Nous nous disons, oui, nous avons la foi, nous aimons Dieu, mais quand les épreuves arrivent, nous paniquons, nous oublions complètement que voilà, nous avons quelqu'un qui peut nous tirer d'affaire. Grave erreur, c'est pas facile, c'est vrai. C'est pour cela que nous devons, en tant que chrétiens, nous forger une carapace de confiance absolue en celui en qui nous croyons, car c'est un Dieu qui est dans sa parole. Il a dit, il a dit que la parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir accompli le dessein et exécuté ma volonté. Ésaïe 57, 11. Donc, ce n'est pas un homme pour mentir. Nous sommes en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons faire très attention car il est le consommateur de la foi comme nous venons de lire dans Hébreux 11, verset 6. Et sachons que en tant que chrétiens, nous, les épreuves arriveront certainement. Il y en a qui, au milieu de vous qui traversent les épreuves. Nous avons l'exemple des serviteurs de Dieu. Je vais prendre l'exemple de Paul. Paul qui s'est expliqué lui-même dans 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Alors, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent au danger de la mort. 5 fois, j'ai reçu des juifs 40 coups, moins un. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes. L'apôtre Paul est en train de citer tout ce qu'il a vécu, c'est juste un résumé. En péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la paix, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne manque point. À Damas, le gouvernement du roi Arétas faisait garder la ville d'Amasséniens pour se saisir de moi, mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Vous voyez tout ce que le serviteur Paul a souffert pour le Seigneur Jésus. Regardez, est-ce que nous avons souffert un bout de tout ça? Pas du tout. D'une manière générale, nous voyons donc qu'un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu est appelé à souffrir. Mais dans notre souffrance, nous devons faire, comme je l'ai dit, une confiance aveugle à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ce n'est pas un homme. Nous avons affaire à un esprit, nous-mêmes étant des esprits, et savoir que, quelle que soit la situation, on s'en sortira. Alors,
Regardez ici, à la fin. Il a souffert. Hein? Mais quand on a voulu se saisir de lui, on l'a descendu par une corbeille, dans une corbeille, par une muraille. Et il les a échappés. Ce n'est pas, est-ce que ce n'est pas sa propre force? Non. C'est le Seigneur qui l'a aidé à s'en sortir. Donc, frères et sœurs, les épreuves sont inhérentes à la vie. Nous avons la foi. La foi, c'est une assurance absolue. C'est un contrat que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a promis la foi comme meilleur consommateur de la foi. Mais nous avons prié, nous avons médité, nous avons crié à lui. Mais pour que nous entendent, nous devons savoir que nous devons vivre dans la sanctification. La sanctification, en un mot, c'est la crainte de Dieu, c'est la fuite du péché. Nous devons fuir le péché. Sans le péché, du moins avec le péché, le Seigneur ne nous entendra pas. Si nous fuyons le péché, si nous nous sanctifions, que nous avons des difficultés et que nous crions à lui, il nous écoutera, il nous exaucera. Donc, notre prière quotidienne doit être de chercher les failles, nos manquements. La liste est grande, hein? Mais nous nous sanctifions au fur et à mesure que l'on révèle les péchés. Nous devons de les délaisser. Et le Seigneur voit qui délaisse les péchés. Le Seigneur voit qui entretient les péchés. Nous ne devons pas les entretenir, car le Seigneur ne sépare pas les amis. Nous devons les délaisser avec une confiance absolue au Seigneur. Celui qui a envie d'avoir un enfant qui est célibataire, il en aura. Celui qui a envie de mariage, en son temps, le Seigneur donnera un mari ou une femme. Hein? Celui qui est dans la souffrance, qui est malade, en son temps, le Seigneur le délivrera de la maladie. Nous avons les exemples sur nos yeux. Nous ne devons pas courir. Nous n'avons pas à donner un temps au Seigneur Jésus-Christ. Non, il a le même des temps et circonstances. Amen. Il fait les choses en son temps. Amen. Bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Hein, par ces mots de fin, nous allons prier de vous, s'il vous plaît. Nous allons prier. Amen. Oui. Nous allons demander au Seigneur de nous apprendre à écouter sa voix tous les jours de notre vie. Nous devons avoir une bonne écoute parce que le Seigneur nous parle toujours, mais nous ne prenons point garde, nous ne faisons pas attention. Prions notre Dieu, notre roi. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce message que tu nous as donné. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ce poids, les orations que nous venons, que je viens de faire, inspirées par ton esprit. Je te dis merci, Seigneur. Nous avons la foi en toi, Seigneur. C'est le péché qui nous éloigne de toi. C'est le péché qui nous éloigne de toi. Et nous te prions de bien vouloir nous permettre par ton esprit saint de ne pas résister dans le péché, mais de le fuir. De le fuir, Seigneur. Pour cela, Seigneur, te prions. Nous inspirons. Nous inspirons. Voir des méditations de nous parler. Seigneur, nous inspirons de nous parler pour que ce Père, nous soyons en phase avec toi. Seigneur. Merci que ton esprit nous guide en tout temps, en tout lieu. Que ton esprit nous guide en tout temps, en tout lieu. Seigneur, notre grand roi. Que nous soyons dans la sanctification. Nous allons dans la sanctification. Abandonner le péché. Te suivre tous les jours de notre vie. Manifester de l'amour. Du manière totale et constante. Dans l'amour de toi, dans de notre vie. Sans amour, Seigneur, nous serons dans une tête agréable. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Hein? Nous allons demander au Seigneur Jésus de vous donner la foi d'Abraham, de marcher avec lui sans douter, sans regarder en arrière. Nous allons regarder toujours à la croix. Que lui étant le maître de notre vie, nous lui faisons une confiance totale et absolue. Tout ce que nous demandons, c'est de nous garder, c'est de nous instruire, de nous parler pour que nous puissions y être agréables. Prions lors de notre foi. Seigneur, nous te bénissons, te donnons toute la gloire. Encore une fois, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à écouter ta voix. Écouter ta voix, Seigneur. Et aussi, Seigneur, écouter tes instructions pour le Seigneur qui nous inspire. Tous les jours de notre vie, pour que nous puissions être agréables. Sois béni, mon Dieu, pour toi, pour tout ce que tu fais pour chacun. Merci Seigneur de nous donner la parole, que nous avons la foi, pour ce que nous avons la foi, et que
Je me confie en Jésus.
élevons au bas Dieu. Alléluia, oh, alléluia, gloire à Dieu. Nous chanterons, nous chanterons au bas Dieu. Alléluia, oh, alléluia, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le temps des dîmes et des offrandes. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. C'est le Seigneur qui parle ici. Afin qu'il y ait toujours de quoi, qu'il y ait toujours des provisions dans sa maison. Amen. Nous allons donc nous lever et nous allons apporter les dîmes et les offrandes, les actions de grâce que nous avons résolues dans notre propre cœur, sans contrainte ni colère. Amen. Amen, amen, amen. Avec joie, sachant que ce que je donne, c'est pour sauver les âmes. Si je ne suis pas évangéliste, j'évangélise par mes dîmes et mes offrandes. Amen. Amen. Si je ne suis pas toujours en train d'aller évangéliser, mes dîmes et mes offrandes, achète des tracts. Amen. Amen. Toutes les contributions concourent à gagner les âmes et à construire nos maisons au ciel. Amen. Amen. C'est une réalité. Quand on parle de ça, c'est de dire, ah, quelle maison au ciel. Non, le Seigneur l'a dit. C'est dans tout ce que nous faisons que nous construisons nos demeures au ciel. Amen. Amen. Apportons donc ce que nous avons résolu sans contrainte, avec joie. Amen, amen. Dis merci, dis merci, dis merci à Jésus. Oh, dis merci, dis merci, dis merci à Jésus pour ses bienfaits. Dis merci, dis merci, dis merci, oh, dis merci, dis merci à Jésus pour ton souffle de vie. Agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Bien aimé, quand tu amènes ta dîme, c'est déjà fait, ton offrande, il faut que tu aies la foi. Si tu n'as pas la foi, ça n'aura pas l'impact souhaité. Celui qui s'approche de Dieu, parce que même les dîmes et les offrandes, ça s'approche de Dieu. C'est un culte. Crois que Dieu existe. Et si on croit que Dieu existe, ça veut dire que Dieu est en train de voir. Ça veut dire que Dieu voit et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'il récompense. Ça veut dire que la main que j'ai mis là, Dieu me récompense. Et Dieu seul sait de la manière dont il me récompense, mais c'est de la meilleure des manières. Est-ce que c'est un accident? Dieu empêche l'accident parce que j'aurais pu avoir un accident pour lequel je devais dépenser combien? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une situation où j'aurais dépensé? Et même si ce n'était même pas le cas, dans ta maison, il ne manque jamais à manger. Amen. Amen. Tu aurais pu être dans une situation qui devait t'amener en prison, mais le Seigneur t'a évité cela. Amen. Amen.
L'ennemi serait venu voler une étoile que Dieu a mis dans ta vie, dans la vie, Dieu l'aurait empêché. Amen. Amen. Toutes ces choses-là ne sont pas quantifiables, ne sont pas évaluables. C'est pour ça que quand tu t'approches de Dieu, de quelque manière que ce soit, tu dois croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur, il donne la récompense à toute personne qui s'approche de lui. Amen. Et on nous dit que la foi, c'est quoi? La ferme assurance, je crois, je ne doute pas. Amen. La ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on espère. J'espère quelque chose. J'espère le salut. J'ai la ferme assurance. La ferme assurance des choses qu'on espère. Et on dit la manifestation, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tellement je suis sûr que ça va se réaliser. Je ne doute pas. Amen. C'est ça la foi. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont apporté les dîmes et les offrandes. Je vais prier. Seigneur, grand Dieu, grand roi, que ton nom soit toujours glorifié, car tu es le seul, unique et le véritable. Merci Seigneur, parce que tous les jours que tu as créés, tu nous donnes la grâce et la faveur d'être en vie, toi qui es le Dieu des vivants. Seigneur, nous venons ici avec les dîmes et les offrandes que nous avons résolues sans contrainte et avec joie. Amen. Pour participer, Seigneur, à ton œuvre. Seigneur, tu connais nos vies. Tu connais nos soucis. Tu sais nos manquements. Tu sais aussi ce qui nous manque dans nos vies. Ô grand Dieu, toi qui es le Dieu de l'or et de l'argent, car tu as créé toutes ces choses, nous voulons te prier pour chacun et chacune de nous, afin que, Seigneur, nous avons l'espérance et la foi en toi, et nous savons que tu rémunères tous ceux qui s'approchent de toi. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, afin que tu bénisses tous ceux qui ont avancé les mains ici, afin que, Seigneur, tu menaces celui qui dévore, afin que tu menaces le voleur, afin que tu frappes celui qui vient détruire, voler. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui n'ont pas eu cette grâce, afin que ton esprit les convainc du bien fondé de participer à ton œuvre par les dîmes et les offrandes. Mais aussi, Seigneur, que tu leur donnes des ressources pour qu'ils puissent également avancer leurs mains. Donne-nous la foi, Seigneur, pour que nous allions, Seigneur, obéir à ce que tu as dit. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Seigneur, donne-nous cette foi-là pour que nous te mettions à l'épreuve, car nous savons que toi, tu ne mens pas. Amen. Seigneur, que ton sang purifie cet argent. Amen. Seigneur, que ton sang purifie les mains qui ont donné. Amen. Bénis nos maisons, Seigneur. Bénis nos enfants, nos maris, nos femmes. Et que la gloire soit à Jésus seul. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Asseyons-nous, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'aller vers la fin du culte. Mon cœur est. Asseyons-nous. Amen. Excuse-moi. Toi, tu peux rester debout. Mon cœur est dans la joie. En même temps, j'ai de la peine. J'ai la joie dans le cœur parce que nous avons 5 frères et sœurs qui vont faire une expérience, une très belle expérience dans les jours qui suivent. Amen. Une très belle expérience. Mais j'ai aussi la peine parce que l'assemblée va se vider de 5 personnes. Je vais demander aux 5 personnes de se lever. Il y a une qui n'est pas là, mais que les 5 personnes se lèvent. Les 4 autres. Bon. Il y a la sœur Oléa qui n'est pas là. Elle aussi va être parmi ceux qui vont se déplacer. Imaginez un peu qu'il y ait des trous dans leur place. Vous voyez un peu de quoi je parle. Mais le Saint-Esprit va envoyer les gens. Oui, oui, oui. Amen. Le Saint-Esprit va envoyer les gens pour remplir toutes ces places. Amen. Voilà donc nos frères et sœurs qui vont passer une très belle expérience. Ils vont se rendre, ils vont visiter la communauté du Bénin. Vous voyagez quand? Le 16. Jeudi 16. Oui. Jeudi 16, c'est bientôt la semaine prochaine. La semaine prochaine. Donc ils vont aller et ils vont passer tout le processus que vous connaissez. C'est une bonne chose parce que l'Église est en train de grandir. Et pour que l'Église grandisse, il faut passer par ce processus. Chacun de nous passera par ce processus. Amen. Ceux qui n'iront pas, ce n'est pas grave. Parce que les serviteurs sont en train de se préparer aussi pour que ça se passe ici. Amen. Amen. Si les ministres du Bénin n'arrivent pas,
nous, nous allons nous disposer parce qu'il y a aussi un travail que les serviteurs doivent faire. Vous devez le savoir. L'église vient de commencer. Nous devons aussi, nous avons aussi un boulot nous-mêmes à faire pour entrer dans ce ministère-là. Amen. On n'entre pas de là, on n'entre pas dans ce ministère n'importe comment. Amen. Parce que c'est des situations, c'est des cas, c'est un combat. Amen. Mais nos frères et sœurs étaient déjà prêts à partir. D'autres avaient déjà acheté le billet avant même que l'église ne commence. Que le Seigneur les bénisse. Alléluia. Nous allons donc prier pour eux maintenant, pour les recommander. C'est une bonne chose. Parce que quand ils reviennent, ils ne reviendront pas comme ils sont partis. Il y aura des changements. Il y aura des bouleversements. Alléluia. Le Saint-Esprit va impacter. Amen. Il y a parmi eux. Quand ils reviendront, il y aura parmi eux des vases. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il y aura des vases parmi eux. Alléluia. Il y aura des servantes consacrées. Alléluia. Il y aura d'autres appels. Vous voyez qu'il y a un papa parmi eux. Nous, on ne connaît pas l'appel de Dieu dans sa vie. Mais il y aura un appel. Amen. Amen. Nous allons donc demander de leur demander de se mettre à genoux. Ici, au milieu. Je demande à l'assemblée de se lever. Et nous allons les entourer. Nous allons les entourer. Mettez-vous au milieu. Nous allons les entourer. Et nous allons les recommander au Seigneur. Pour qu'ils ne reviennent pas comme ils sont partis. On ne veut pas les voir comme ils sont partis. On veut voir le Saint-Esprit qui va opérer dans leur vie. Qui est des vases. Qui est le serviteur. Quand ils reviendront, que le feu, on voit le feu dans tout ce qu'ils vont faire. Mais que le Saint-Esprit opère aussi les délivrances. Que le Saint-Esprit opère aussi des brisements. Que le Saint-Esprit brise ce qu'il faut briser dans leur vie. Et que l'ennemi soit exposé. Parce qu'il y aura beaucoup d'exposition. Bien-aimé, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, qu'il agit. Voici donc ses enfants, nous allons prier pour recommander leur voyage, aller et retour, leur séjour, et que le Seigneur ait pitié d'eux, qu'ils viennent dans leur vie. Le Dieu qu'ils cherchent, qu'ils entendent souvent là, dans les vies des uns et des autres, que cela s'opère dans leur vie aussi. Amen. Que le Saint-Esprit se manifeste dans leur vie puissamment. Ce ne sera plus que nous avons. Ils viendront nous faire des témoignages ici. Amen. Prions pour le voyage. Et le reste, je vais donner. Au fur et à mesure que je vais donner les sujets, nous allons prier. Prions déjà pour recommander leur voyage au Seigneur à l'aller et au retour. Prions au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous venons te prier, Seigneur. Pour tes enfants qui vont voyager, Seigneur, pour un pays étranger, pour certains, c'est la première fois qu'ils vont sortir de la France. Pour certains, c'est la première fois qu'ils vont se rendre en Afrique. Pour certains, c'est la première fois, Seigneur, qu'ils vont se retrouver en dehors de leur famille. Seigneur Jésus, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Toute chose est sous ton contrôle. Nous te prions au nom de Jésus. Toi qui as préservé la vie de l'apôtre Paul, à cause de ton nom, préserve la vie de ses enfants. Seigneur, ils vont arriver dans ce pays-là. Qui n'ait pas peur, qui ne craigne rien. Que tes anges, Seigneur, soient avec eux dans le voyage à l'aller. Non, va du retour. Seigneur, que tes anges pilotent les avions. Que les avions qui vont emprunter à l'aller et au retour soient pilotés par tes anges. Que les voitures qui vont emprunter là-bas, les motos, les vélos, la marche à pied, Seigneur, soient sous le contrôle du Seigneur. Par tes anges au nom de Jésus. Seigneur, protège leur vie. Préserve leur vie. Leur intégrité. L'esprit, l'âme et le corps. Et qu'ils reviennent, Seigneur, saints, sauf. Merci, Seigneur, parce que tu nous as écoutés. Que ton sang les purifie. Nous avons prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimés, nous allons prier. Pour que, comme ils sont partis, qu'ils ne reviennent pas comme ils sont partis. Amen. Que le Saint-Esprit opère les délivrances. Amen. Que le Saint-Esprit appelle
dans des ministères les uns et les autres de façon claire et distincte. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, c'est toi qui appelles. C'est toi qui opères toute délivrance. Seigneur, nous te les confions afin qu'aucun d'eux ne revienne comme il est parti. Seigneur, brise tous les esprits maléfiques. Enlève tout esprit du monde des ténèbres qui dérange les uns et les autres. Seigneur, montre-leur qu'ils sachent que tu es vivant et que ta parole est vivante. Seigneur, qu'ils ne reviennent pas comme ils sont partis. Saint-Esprit de Dieu, regarde dans l'église. Nous avons besoin de serviteurs dans les différents ministères. Nous te confions, Seigneur, selon ta volonté souveraine. Remplis tes vases car ils vont le bénir. Oh Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, que chacun et chacune sache que tu es vivant, impacte leur vie et qu'ils reviennent remplis de l'onction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Nous allons prier pour leurs familles qui sont leurs familles, leurs enfants, leurs époux. La sérénité. Donne-leur la sérénité, Seigneur. Quand ils vont revenir, que les familles voient les changements dans leur vie. Que ce voie ne soit pas voie, mais protège les maris, les femmes, les enfants. Oh Seigneur, nous te les confions, prions pour leur famille. Afin que, Seigneur, je le Saint-Esprit comme le vide qu'ils ont laissé dans les cœurs de leur famille. Oh Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Restez à genoux. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière là maintenant, comme vous êtes à genoux là, qu'il aimerait évoquer? Qu'il le dise pendant que vous êtes à genoux. Est-ce que quelqu'un a quelque chose qu'il voudrait que l'Église prie pour lui ou prie pour vous pendant que vous êtes à genoux? Est-ce que quelqu'un a une demande qu'il veut formuler au Seigneur, là maintenant, relativement à ce voyage, que l'Église intercède? La sœur Dorcas. Amen. Je souhaite qu'on prie pour moi, aussi pour mon mari. Merci. Je souhaite qu'on prie pour mon mari et ma famille. Pendant que je serai au Bénin, que Dieu puisse l'amener ici avec tous les autres enfants, les 4 enfants qui viennent adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. C'est ce que je souhaite. Amen. Amen. Nous allons prier pour que son époux, alors qu'elle est au Bénin, touche le cœur de son mari pour qu'il amène les enfants. Elle a peur de 4, c'est vrai que je vois seulement 2, qu'il a peur de 4. Qu'ils viennent aussi ici adorer le Seigneur et que ce soit pour elle un signe de la grâce de Dieu dans sa vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce et nous te remercions parce que tu es le Dieu du miracle. Tu es le Dieu du miracle qui fait toutes choses car rien ne t'est impossible. Voici ta communauté, Seigneur, qui prie maintenant pour que le mari de la sœur Dorcas nous rende visite. Et qu'il arrive ici pendant qu'elle est au Bénin. Oh Seigneur, glorifie ton nom. Toi dont rien n'est impossible. Que le mari et la sœur Dorcas se lève et qu'il vienne passer le culte avec nous ici, là, Seigneur. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Oh Seigneur, voilà la prière que nous t'adressons. Voilà la supplication de ta servante qui croit que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Oui, Seigneur Jésus, toi qui aimes les défis, toi dont rien n'est impossible, voilà ta communauté. T'adresse cette prière pour ta seule gloire. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais lire le psaume pour vous, 121. Amen. À l'esprit à l'instant.
Amen. Amen. Vous allez répéter après moi, vous qui êtes toute l'église. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait le ciel et la terre? Qui a fait le ciel et la terre? Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici. Voici. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Celui qui garde Israël. Voici. Voici. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui protège ses enfants. Celui qui protège ses enfants. Voici. Voici. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui protège les élus. Celui qui protège les élus. Voici. Voici. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui protège les rachetés. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Ni la lune pendant la nuit. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur Jésus. Amen. Les prières que nous avons élevées sont aussi pour la sœur Oléa. Amen. Qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Amen. Mais qui est avec nous en esprit, elle fait partie des cinq pour lesquels nous avons prié. Le Seigneur agira. Amen. Nous allons inviter la sœur Nicole. Bien-aimée, viens. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Amen. Nous allons donner. Donne-moi celui-là, parce que celui-ci parle plus fort. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Oui, shalom, shalom. Moi, je voulais demander la prière pour mon fils. Mon fils il a commencé à... Sa santé l'a perturbé depuis son enfant. Très très petit, quand il avait 3 mois, parce qu'il a fait 4 mois à l'hôpital, il avait fait 3 comas quand on était en Afrique. Et on a fait tous les efforts, on est arrivé ici en France. Ici, il a subi aussi des opérations, mais toujours sa santé, ça les dérange. Et puis, il est suivi jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu l'a fait grâce, le Seigneur opère des grandes merveilles, parce que avant qu'il passe aux salles d'opération, il avait chanté une chanson. Il m'avait dit: maman, je pars à Jéricho prêcher la parole de Dieu. Bon. Quand il est entré au bloc, c'est en ce moment j'étais seule et j'étais enceinte. J'étais enceinte de Hosanna, c'était 5 mois. Et j'avais pas peur. Il est rentré au bloc depuis 7 heures. On m'a amené l'enfant vers 7 heures comme ça. Et quand il est arrivé, le aide-soignant m'a dit que le médecin arrive te voir. Quand le médecin est arrivé me voir, il m'a dit: madame, ça va? Moi, je dis oui, ça va. Il m'a expliqué comment je vais garder l'enfant, comment je vais le donner à manger. Et puis, il m'a dit: madame, ton enfant est très fort. Amen. Moi, j'ai dit, à ce moment-là, j'entendais, mais je ne parlais pas, même un peu pour le français, je n'entendais pas. Mais je ne parlais pas. Mais il m'a dit: ton enfant est très fort. Moi, à ce moment, je ne l'avais rien rencontré. Il m'a dit, depuis de sa naissance,
il lit sur sa vie. Et cet enfant, il va bien grandir. C'est pas aujourd'hui qu'il va perdre sa vie. Amen, amen. Et j'étais... Sois fortifié. J'étais dans la joie parce que à ce moment, j'ai pensé les chansons que mon fils avait chantées avant d'aller au bloc. Et ça m'a donné la joie à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui. Mais même ça, l'ennemi ne les laisse pas. Il ne laisse pas. Et puis, il était le médecin qui avait l'opéré l'année passée. Et cette année, mois de mai, l'a rendu libre parce qu'on était interdit de voyager avec lui, de monter à l'avion. On avait beaucoup d'interdictions selon son état. Mais là, le médecin avait déclaré qu'il peut voyager. Il peut déjà participé à des activités. Malgré tout ça, l'ennemi ne veut pas. Après cette annonce, cette communiqué que le médecin nous a donné, il a commencé encore à manifester des crises. Des crises, cette fois, c'était... On est parti deux fois à l'hôpital. Après, à l'hôpital, il ne comprenait pas. C'est quoi? Après, il y a un médecin qui est arrivé, il a regardé bien. Avant, il disait que c'était un problème de cœur. Ils ont dit que son cœur est affecté. Moi, j'avais donné le sujet de prière aux serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu, ils ont déclaré par rapport à ça, ils ont fait la prière. Quand on est parti faire l'examen, le cœur était anormal. Était normal. Ils ont dit que le cœur, il n'y a aucun problème, il est guéri, il n'y a aucun problème. Après cela, maintenant, il a commencé encore à présenter des crises. Et quand il commençait à présenter des crises, je suis allée aussi à l'urgence. C'était un dimanche, les jours là. Moi, Dieu m'a fait une grâce quand les enfants sont malades. J'ai une force. Je ne mange pas, je ne bois pas, mais j'ai une force. Et j'ai pris mon enfant, j'ai appelé Tati, je suis allée à l'hôpital. Cette fois, le médecin qui l'a suivi. Il a dit, cet enfant, il a un problème de gastro. Cet enfant a un problème de gastro. Mais les infirmiers, ils ont se demandé, cet enfant, dans cet âge, il a les problèmes de gastro, comment? Après, ils ont donné des examens à faire et les noms des médecins pour appeler. Moi, j'ai dit non. Comme il me complique beaucoup, je vais aller prendre rendez-vous à Necker. Parce qu'à Necker, sont des spécialistes. Alors j'avais pris le rendez-vous. C'était pas facile depuis le mois de mai, donc ils ont accordé pour le 20 mai et le 20 novembre. Alors avant-hier, je suis allée en formation. Je vois l'hôpital à m'appeler. On m'a dit, madame, ton enfant a une urgence, il faut qu'il vienne le 13 demain. À même heure, à 15h, il faut qu'il soit à l'hôpital Necker. Et pour voir les médecins spécialistes. Alors, je suis hier, quand j'ai quitté l'évangélisation, je suis allée à la maison. J'ai commencé à préparer tous les documents. Je cherche là où que j'ai gardé l'examen, tout l'examen qu'il avait fait. L'examen est disparu. Je ne sais pas là où que j'ai mis, mais là où que je peux trouver, j'ai déjà cherché. Alors, je sentais une paix dans mon cœur. J'ai dit, ça, depuis mai jusqu'à aujourd'hui qu'il a fait cet examen, le Seigneur le garde. Demain, il va voir le médecin, il va prescrire l'autre examen. Peut-être il y avait des malades. Le Seigneur l'a déjà guéri. Le médecin va vouloir lui donner la médication par rapport à cet état qu'il était. Alors, je bénis le Seigneur. Bon, c'est pour ça que je suis là pour demander prière, que la consultation de demain, ça se passe bien. Et que les médecins ne les compliquent pas, parce qu'il va aller avec son père, qu'ils ne le compliquent pas par rapport comme les examens, ils ont perdu. Amen, amen. Oui. Amen. Il s'appelle comment? Julio. Julio. Oui. Donc vous avez suivi, bien aimé, vous avez suivi tout le témoignage. Elle a fait le témoignage, mais elle a aussi un sujet de prière. Nous allons nous lever pour prier pour Julio, qui va aller en examen demain. Tu peux te mettre à genoux si tu veux, pour Julio, afin que notre Dieu, le Père des miséricordes, le Père miséricordieux, accorde miséricorde à Julio. Amen.
Nous savons que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Le cœur de la maman est en paix, comme vous pouvez voir. Mais elle voudrait qu'on intercède. Elle n'a pas mis la main sur les examens, le résultat des examens. Elle voudrait qu'on intercède afin que la gloire du Seigneur soit se manifeste dans la vie de Julio demain. Bien-aimé, Julio, c'est un enfant. Il a quel âge? Il a 9 ans. C'est un bébé qui a 9 ans, un petit garçon de 9 ans. Nous allons le recommander entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, Dieu, selon ta recommandation, nous prions, Seigneur, pour Julio. Oh Seigneur, tu connais, tu sais très bien ce qui se passe dans sa vie. Mais l'ennemi, depuis la croix, a perdu. C'est un menteur. C'est pourquoi, Seigneur, nous intercédons. Grand Dieu et bon Père Céleste, afin que tu puisses intervenir dans la vie de Julio. Interviens dans la vie de Julio, Seigneur. Et que la croix de Jésus-Christ se manifeste. Afin que tes enfants puissent se réjouir des bons dommages qu'il y aura après. Seigneur, guéris cet enfant de cette maladie. Et que ta main guérissante, Seigneur, apporte tout ce qui soit rétabli. Que les médecins de ce monde soient dans la confusion. Que le camp de l'ennemi soit dans la confusion. Et Seigneur, nous te remettons Julio entre tes mains. Nous remettons Julio entre tes mains, Seigneur, nous te prions de l'Église. Oh, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je voulais dire aussi à la sœur, parce qu'elle avait demandé la consécration de ses enfants. Donc, ça va être fait. Nous allons te donner la date pour qu'il y ait une préparation parce qu'il y a un travail qui va être fait. Donc, tes enfants, ils sont combien? Ils seront tous consacrés ici-là. Mais nous n'avons pas encore la date parce que c'est un travail qui se fait avec les ministres du Bénin. Nous avons parlé de cette situation-là. Nous avons beaucoup discuté là-dessus. Et par la grâce de Dieu, ils seront consacrés ici. Nous allons donc appeler, nous te disons comment le processus de consécration, le travail qui sera fait avant et pendant. Amen. 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 Oui. Amen. Amen. Shalom. 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 Maman, il faut être bref. Hein? Non, prends le temps, mais il ne faut pas aller trop. Bon, amen, amen. Regarde la caméra. On veut te voir à la caméra. Tiens, tu vas ici. Amen. Merci. Amen. Je voulais juste demander la prière parce que avant-hier, je fais la tension 19-20 de tension. Même quand j'ai accepté que les chorales viennent répéter à la maison, je n'ai même pas pensé que j'avais ça. J'ai dit, venez, 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 il n'y a pas de problème. Mais je n'étais pas. Le matin, là, j'ai pris l'attention. C'était à 16h07 comme ça. Donc, la sœur, on va prier pour elle. Ne te mets pas à genoux, maman, tiens-toi au milieu. Nous allons étendre la main vers elle pour que le Seigneur, que la maladie, les tensions baissent au taux normal. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, au nom de Jésus, tu as dit que la prière de Jésus guérira le malade. Au nom de Jésus, Seigneur, nous proclamons la guérison. Et nous menaçons l'attention artérielle. Nous menaçons l'attention artérielle. Et nous donnons l'ordre de l'attention artérielle au nom de Jésus de quitter le corps de notre soeur et de notre maman. Au nom de Jésus, oh Seigneur, que ton sang soit dans son sang et qu'elle soit purifiée, Seigneur, et que la tension artérielle quitte son corps, Seigneur. Il n'y a plus de tension artérielle. Il n'y a plus de tension artérielle, Seigneur, que le cours de sa guérison totale et entière, parce que nous te prions au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 On va prier pour le petit garçon, s'il vous plaît. Ethan. Ethan, viens. Vous connaissez la situation d'Ethan, non? Oui. Voilà, on ne va pas s'arrêter de prier pour Ethan. Amen. Ethan, vous savez, les problématiques des... Il est à passer à l'hôpital? Non, c'est le 17.
Le 17 heures. Le 17 heures, rendez-vous avec l'anesthésie et le 30 opération. Amen. Dans l'anesthésie, c'est certainement pas les paramètres pour bien doser le tube d'anesthésie et tout. Dans tous les cas, notre Dieu est un Dieu fidèle, il fait toutes choses comme il le veut. Amen. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pour la délivrance et la guérison des temps. Qu'il passe par le médical ou par le spirituel, nous nous prions pour qu'il soit guéri et que cette malédiction soit brisée au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Père de gloire, Dieu tout-puissant, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui a fait le Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions pour éteindre ce petit garçon, Seigneur, adorable, qui est gentil, qui est bon, qui t'aime, Seigneur Jésus. Regarde ton fils, qui est pour le maire, pour recevoir ta bénédiction. Au nom de Jésus, nous menaçons l'esprit de famille. Au nom de Jésus, tu menaçons l'esprit qui décrase sa condition. Au nom de Jésus, nous le chassons dans la vie d'éteinte. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus, nous proclamons la guérison. Nous brisons les liens de réclamation, les liens de famille. Nous brisons la malédiction, nous brisons la malédiction, nous brisons la malédiction. Au nom de Jésus, ô éteinte. Dans ta vie, les malédictions familiales n'auront pas effet. Les malédictions familiales n'auront pas effet. Dans ta vie, au nom de Jésus, nous brisons par l'autorité que le Seigneur donne à ses enfants. Au nom de Jésus, ô Seigneur, nous te prions de lui donner la guérison. De lui donner la guérison selon ta convenance, selon ton autorité. Au nom de Jésus, ô que le sang de Jésus puisse couvrir. Et du sommet de la tête à la planche des pieds. Que le Seigneur, que ta main soit sur tous les médecins, tous les spécialistes qui vont le toucher. Ô Seigneur, et que ce soit ta main. On nous donne l'intelligence à tous ceux qui vont s'occuper de lui. Et que ta gloire rayonne dans sa vie, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous allons prier pour la maman d'État. Maman, viens, parce que la maman d'État ne dégage pas la joie. La maman d'État est triste. Quand vous voyez son visage, vous voyez une femme meurtrie. Ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. Même dans les épreuves, nous devons être en joie. Amen. Même dans les épreuves, notre vie doit être rayonnante. Amen. Mais quand on regarde la maman d'État, on voit qu'il n'y a pas ce truc-là. Elle est triste. Prions que le Seigneur la console. Amen. Et que le Saint-Esprit la visite pour qu'elle connaisse le mystère de la joie même dans les épreuves. Amen. Parce que les enfants de Dieu seront toujours et toujours dans les épreuves, Amen. Dans les tentations. Amen. Mais le Saint-Esprit, dans le mystère des choses de Dieu, nous donne la joie même au milieu des épreuves. Amen. Il faut que la mère des temps, quand on la voit, qu'elle rayonne de joie. Amen. Mais nous voyons que ce n'est pas encore le cas. Prions, demandons au Seigneur vraiment de la visiter. De la visiter parce qu'on ne sait pas ce qui ne va pas. Elle n'a pas encore ouvert son cœur. Mais on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Prions. Oh Seigneur, comment est-ce qu'on peut te servir si on n'est pas en joie? Comment est-ce qu'on peut te servir si on n'est pas épanoui, Seigneur Jésus? Le mystère de la foi, c'est la joie dans les feux. Le mystère de la foi, c'est l'épanouissement, même dans les tentations, même dans la tribulation. Oh Seigneur, regarde ta semence. Regarde ta semence, regarde ton sang. Nous te prions, Seigneur, que ton sang lave son visage, que le Saint-Esprit, Seigneur, la visite, pour que le poids qu'elle a dans le cœur soit ôté. Saint-Esprit, ôte le poids, ôte la paix, la douleur de son cœur. Enlève la maîtrise, enlève la maîtrise, enlève la douleur. Seigneur, que son cœur soit un fleuve, où coule la joie, même dans les fleuves. Au nom de Jésus, Seigneur, nous t'enlevons ce cœur. Ce cœur de tristesse, ce cœur d'amertume, ce cœur, Seigneur.
Et nous serions de remplacer par un cœur de joie. Même dans les fleuves, même dans la difficulté, qu'elle soit en joie, qu'elle soit en paix, que l'espérance dans Jésus-Christ soit effective. Au nom de Jésus, je demande à une maman qui est toujours joyeuse. La maman, est-ce qu'il y a une maman ici qui a toujours la joie dans le cœur? Les mamans, venez embrasser là. Transmettez la joie. Transmettez la joie. Embrassez-la. Embrassez-la. Lève-toi. Embrassez, donnez la joie. Donnez la joie. Donnez l'amour. Transmettez l'amour. Transmettez l'amour. Le Saint-Esprit va opérer. Amen. J'ai la joie de Jésus. Transmettez-lui l'amour et la joie. Il me l'a donné. Au nom de Jésus. Personne ne peut. Continue à prier. Continue à prier. La joie. Seigneur Jésus. Alors que tes servantes ont pleuré. La soeur, Seigneur. Au Père. Que la joie. Que la joie entre dans son cœur. Que la tristesse dégage. Que l'amour de Dieu rentre au Saint-Esprit de Dieu, au Père dans sa vie, même dans les peines qu'elle soit en joie, même dans la douleur qu'elle soit en joie, au nom de Jésus. Personne ne peut me Jésus. J'ai la joie, dans mon cœur. La joie au nom de Jésus. J'ai la joie de Jésus. La joie au nom de Jésus. La joie de Jésus. La joie au nom de Jésus. Dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus. La joie de Jésus. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus. La joie du Seigneur Jésus. Amen. 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 Jésus. 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 Amen, amen. Amen, amen. Ce sont des larmes de joie. Oui, il est normal qu'on coule les larmes. Mais ce sont des larmes qui doivent être pour la gloire de Jésus. Ce sont des larmes qui doivent être des larmes de victoire. Ce ne sont pas des larmes qui doivent donner gloire à l'ennemi. Parce qu'il a perdu. Il ne doit pas voir nos larmes. Nous, nous pleurons pour la gloire de Jésus. Amen. Pour l'amour de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus. Rosine, dont la fille avait fugué. On l'avait retrouvée. Elle est revenue à la maison, mais elle est repartie. Courte joie. Elle était revenue. Elle est rentrée à la maison. Mais elle se pourrait, le serviteur, j'ai dit, mais fait savoir qu'elle est encore repartie. La prière que nous allons faire, c'est pour la sœur. Nous allons prier que le Seigneur fortifie notre sœur, qu'elle soit en paix. Et nous allons recommander cet enfant au Seigneur. Amen. Parce que si l'enfant est recommandé au Seigneur, quel que soit ce par quoi il va passer, le Seigneur va la ramener. Amen. Nous ne prions plus qu'elle revienne parce que, pas qu'on ne veut pas qu'elle ne revienne pas, mais que si le Saint-Esprit, le Seigneur tient sa main, peut-être que c'est un temps encore, le Seigneur l'a fait passer par toutes ces choses et l'a ramené. La volonté de Dieu, notre souhait, c'est qu'elle revienne. Amen. Qu'elle revienne à la maison. Amen. Prions pour deux choses. Pour notre sœur, qu'elle ne soit pas désemparée. Et recommandons cette jeune fille au Seigneur Jésus. Amen. J'ajoute ceci, frères et sœurs, son fils est diabétique. Il prend 4 injections par jour. La même sœur. Donc,
sauf que ça soit aussi un sujet de prière. Hein? Même chez vous, je vous prie tous les jours, priez pour la sœur. Soyez bénis. Prions au nom de Jésus. Voilà, Seigneur, ça c'est pas bien. Cette fille qui est passée, on a rappelé la mort de Baptiste. Nous prions pour notre soeur qui est en train de se faire. Nous prions pour cet enfant, afin que tu sois avec elle, partout où elle va aller. Protège-la des dangers. Protège-la des dangers du dehors. Oh Seigneur, que la parole va. Ramène-la à la maison. Telle est ta volonté. Mais protège cet enfant. Ouvre ses yeux et comprenne l'amour de sa maman. Ouvre ses yeux. Et que son cœur, Seigneur, soit lié au cœur de sa maman qu'elle revienne à la maison. Préserve la vie de la jeune fille, Seigneur. Et fortifie la maman. Visite le jeune garçon diabétique. Visite le jeune garçon diabétique, Seigneur. Oh Seigneur, nous te prions. Afin de guider cette famille. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, sois avec nous. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 L'église va trouver un temps où nous irons chez la sœur et nous allons les prier dans sa maison. Ça se trouve, il y a un esprit là-bas et nous allons aller chez elle. Je vais voir avec le serviteur Jean-Baptiste. Nous allons aller après l'évangélisation. Nous allons voir peut-être le week-end prochain, peut-être dans deux week-ends. En accord avec la sœur, nous irons dans sa maison et nous allons aller prier là-bas avec ceux qui viendront à l'évangélisation. Vous serez informés dans tous les cas de ce programme-là. Asseyez-vous un petit moment, s'il vous plaît. Donc, comme je l'ai déjà dit, certains parmi nous ne seront pas là à partir de la semaine prochaine. Nous allons toujours les garder en prière. On n'a pas seulement prié pour maintenant, même quand ils seront là-bas. Nous leur demandons aussi, chaque fois que le Seigneur va les visiter, toutes les bonnes choses que le Seigneur va leur faire, de nous faire des audios de témoignages. Amen. Amen. Pour fortifier le cœur, le corps du Christ. Amen. Toutes les belles expériences, même les sujets de prière, qu'ils fassent des voices dans le groupe Jésus revient France, se présente et nous donne des communications. On veut savoir, on veut écouter leur voix, qu'ils nous disent comment ça se passe. Amen. Amen. Il y a la jeune sœur n'est pas là. La jeune sœur et son compagnon sont pas là. Dieu veille. Donc on va attendre qu'elle soit là, hein, parce qu'il y a un travail aussi qu'on va faire avec elle. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Les annonces, c'est déjà ça. Les enfants seront consacrés. Je ne sais pas s'il fallait le communiquer la sœur, Dieu veille. Ou on attend qu'elle soit là. On attend. On va changer avec lui d'abord. Amen, amen. Donc, vous êtes au courant, vraiment nous exhortons l'église de participer au programme de prière en ligne. C'est très important. Le Seigneur visite son église à tout moment. Si vous attendez seulement qu'on prie ici, ce n'est pas bon. Il faut participer au programme de prière. Le lundi, il y a jeûne et prière pour l'église. Le jeûne et prière est consacré vraiment pour que le Seigneur visite son église, qui rentre son église, qui développe son église, qui donne la force spirituelle et physique à tous les membres de l'église. Je crois qu'il y a aussi un programme en dehors de jeûne et prière. Je n'ai pas pris la feuille. Il y a aussi la soirée de prière à 18h30. C'est vrai qu'on se trompe toujours 30 minutes avant, 30 minutes après. Mais là, nous sommes à l'heure d'été. Qu'est-ce qu'il y a mercredi? Il y a une soirée de prière intense, en ligne. Ce qu'on vous dit, c'est en ligne. Mais il faut toujours regarder dans notre forum. Vous allez voir, tous les programmes sont là. Je crois qu'après ça, le mercredi, il y a aussi enseignement. Donc, les enseignements de la sainte doctrine. Le jeudi, il y a prière pour le groupe de France, hein, à 21h pour l'église de France. Nous nous connectons et
il y a une prière entre la communauté du groupe de France. Le vendredi, il y a jeûne et prière aussi. Et il y a aussi soirée de prière. Le jeûne et prière, c'est en journée. Et on casse le jeûne à 18h. Et il y a une soirée de prière, la soirée de prière agressive à partir de 22h. Donc il y a veillée de prière. C'est 3 heures de prière, c'est pas une veillée en tant que telle. C'est 3 heures de prière intense de 22h à l'heure que ça finit. Normalement, c'est 3 heures de temps. N'oublions pas l'évangélisation aussi. Le samedi, à partir de 14h, nous allons sonner la cloche pour ceux qui peuvent être là. Nous encourageons toute personne à venir parce que ça fait partie des missions que le Seigneur a données à l'Église. De faire de toutes les nations des disciples. Amen. De la même manière que tu donnes tes offrandes, tes dîmes, le Seigneur a besoin aussi que tu prêches la bonne nouvelle là où tu es. Si tu ne peux pas venir à Paris, là où tu es, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un autre... Bon, pour les chantres, nous allons voir ça. Nous serons présents à la réunion des chantres mardi en ligne. Amen. Les hommes de Dieu, nous serons là. C'est à quelle heure? 21h. 21h, nous demandons à toutes les chantres, même la sœur Oléa et toutes les autres, d'être présents, présentes. Tous les chantres doivent être là à 21h en ligne. Nous allons avoir un entretien avec vous sur l'ensemble de votre ministère. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un truc, une chose que j'ai omis de dire? Ok, merci bien. Nous allons nous lever. Je vais prier pour recommander le peuple de Dieu au Seigneur. Amen. Amen. Éternel, grand Dieu, grand roi, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Toi, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme, le Dieu de tout esprit. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. C'est par ta volonté souveraine que nous existons et tu connais chacun de nous de façon particulière. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous as permis d'être là aujourd'hui pour te rendre le culte hebdomadaire. Seigneur, nous savons que tu existes. Et nous savons que, Seigneur, tu es le consommateur de tout ce que nous avons fait. Nous te rendons tout l'honneur, Seigneur, et nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, de te rendre ce culte. Merci, Seigneur. Merci parce que tu as écouté, tu as entendu et tu nous as exaucés. Merci parce que personne de nous n'est rentré comme il est venu. Seigneur, ceux qui avaient des sujets de prière, même qui n'ont pas parlé, toi, tu sondes les cœurs et les reins, tu es au courant et tu as béni et tu as exaucé. Nous savons que, Seigneur, tu n'as pas seulement béni ceux qui sont là, tu as aussi béni ceux qui ne sont pas venus. Tu as aussi béni nos enfants, les membres de nos familles charnelles, Seigneur, nos femmes, nos enfants, nos maris. D'ailleurs, nous te disons merci. Nous te prions, Seigneur, de bénir, Seigneur, chacun de nous au moment où nous rentrons. Nous te prions, Seigneur, de nous raccompagner, Seigneur, en toute sécurité. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous davantage de ta présence et prépare-nous tous les jours au retour du Seigneur Jésus. Seigneur, préserve-nous de tout danger, de tout accident, de tout incident. C'est pourquoi aussi nous disons que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet au nom de Jésus. C'est pourquoi aussi nous déclarons, Seigneur, que tous les agendas du monde éternel dans lesquels nos noms sont écrits sont nuls et sans effet au nom de Jésus. C'est pourquoi nous proclamons, Seigneur, que nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous raconterons la gloire de Jésus partout où nous irons. C'est pourquoi aussi nous disons, Seigneur Jésus, quand tu reviens, si tu reviens pour nous cette nuit, souviens-toi de nous, Seigneur, pour la gloire de ton saint nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Yeshua, Hamashiach, Yeshua. Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Yeshua, Hamashiach.
Yeshua, HaMashiach.